Bonsoir ton tube. Bonsoir ton tube. Alors, il y a l'air d'avoir des choses qui se sont passées. Il y a... Dans les voix. On commence dans les voix? Ok. Je sais pas, j'ai regardé, j'ai cliqué dessus. Oui, deux relations Alors. positives dans la troupe. Inséparables, on peut gagner des points. Mais est-ce que c'est un intérêt? Est-ce qu'on a débloqué la suite pour la puissance, machin, tout ça? Gain Nécessite pour la d'XP de puissance. combat 10% supplémentaire. Opportuniste, les dégâts d'attaque d'opportunité plus 5%. Ça en veut! Bon, on peut commencer à reprendre des points, je crois. Hein. Bah Ratisse, hein. vas-y, je t'en prie. Allez, Pour la reprends. gloire, la troupe a tendance à se vanter après avoir rossé 5% de d'influence en plus. Et pour chaque ennemi tué, augmente le moral de 1 point supplémentaire. Ah, il y a une vraie implication du moral. Ok, commerce et artisan, voyons voir ce qu'il y a. Mercenaires, les gains sont augmentés de 20% après un Trop contrat. bien. Orfèvre, prix de vente des objets de luxe, donc des marchandises aussi peut-être. Ah non, c'est pas des objets de luxe, c'est des classés comme marchandises. 50% supplémentaires. Maître et disciple, l'expérience de métier gagnée est doublée si la troupe compte un autre compagnon de même métier et de niveau supérieur. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà. Incorruptible, livrer des prisonniers rapporte également 20 d'influence. Ah, ok. Nous, on est incorruptible, c'est bien connu. Ouais, je vois encore notre 5 de soupçon là. Vol à la tire, client régulier. Prix de vente des objets volés à un reseller augmenté de 15%. Oh, pas mal. Sans vergogne, gain d'influence pour un combat mené en embuscade de 20%. 20% pour l'XP aussi. Parlementer. Contre de l'influence, vous pouvez négocier avec les gardes. Ouais. Bouc émissaire, lorsque vous devez livrer un compagnon, il y a une chance qu'un membre de celle-ci. Attends quoi? Attends. Lorsque vous Lorsque devez vous. livrer un compagnon à la garde, il y a une chance qu'un membre de celle-ci qui soit désigné. Ok, la troupe ne perd alors qu'une étoile de soupçon. Ah, tu peux désigner un garde? Pardon. Ah non, peut-être que c'est un prisonnier. Non, je sais pas. Non, non. Lorsque vous devez livrer un compagnon à la garde, il y a une chance qu'un membre de celle-ci, donc de la garde, qui soit désigné. La troupe ne perd alors qu'une étoile de soupçon. Voilà. D'accord. On perd pas tout, mais on perd qu'une étoile. Le problème, c'est que cette probabilité, on la connaît pas. Ouais. Ouais. Ah, il y a des passifs de niveau 9 qu'on n'avait pas avant. C'est en passant ta souris sur les drapeaux. Ah. Chaque fois qu'une de vos unités tue un ennemi, elle gagne 2% de dégâts supplémentaires pour la durée du combat. Oh. Oh. Oh, nos finishers, ils vont être violents. Ok. Chaque fois qu'un compagnon gagne de l'expérience de métier, 8% de points sont aussi rajoutés à son expérience de combat. C'est Oh, joli, hein. c'est joli. Et tous les compagnons gagnent 2% de dégâts critiques par sépulcre découvert. Ça, c'est très beau. On en a découvert 3, je crois. Je trouve 3, ouais. Ok, putain, on a de bonne mémoire. Maintenant, Mondium. Oh là 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 là. Il y a l'air d'avoir des choses. Oh, il y a l'air d'avoir. Oh. Voilà. Il y a l'air d'avoir. Archiviste. Double la quantité de connaissances gagnées au lutrin. Alors ça. Où ça? Où Ça, ça? Où ça? archiviste, archiviste, dans Mystère et Connaissance, archiviste en fait, Ah oui, mec, bah. Je en suis pas allé fait. voir. Il est où? On peut aller le chercher. Ça serait bien, hein. Ah ouais, Après, il y a carrément. Restaurateur de légende, pris pour mettre à niveau une arme légendaire réduite de 50%. Oh, c'est pas rien. Ah, ça Oh, c'est pas c'est rien pas du tout. dégueulasse. Les torches durent plus longtemps et éclairent plus loin en combat. C'est intéressant aussi. Et archéologue, prix de vente des antiquités étudiées augmenté de 50%. C'est aussi bien. Les 4 sont super intéressants, je trouve. Pour le Ouais. coup, Ouais. incroyable! Incroyable. Le Donc, bon, ça c'était les compendium. voies et mystères. Hein. Le compendium, Ouais. Compendium, compendium. Orientation, toujours le truc avec la petite. y a des connaissances profondes. Profonde. Ouais, Camarade. Attends, 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 camarade attends. de boisson.
Dans l'écran des relations, l'action offrir un verre permet à deux meilleurs amis d'annuler un trait négatif chacun en échange de 300 d'influence. Oh, c'est pour fort. 300, t'enlèves 2. Oh. C'est oh, fort. En plus, c'est pas comme si on les avait déjà, quoi. Ah. Bah ouais. Ah, par contre, tu vois, moi, je peux plus répartir, je peux plus aller acheter des points. Y a plus que toi qui peux aller chercher. Comment ça? Je peux plus acheter de points. Y a que toi qui peux acheter des trucs, comme t'es l'autre de la partie. Ah, je peux rien acheter non plus, mais parce que ça coûte 2. Ah, ah par contre, cool. Regarde orientation cannibalisme, tu peux toujours les acheter. Non, je peux pas les acheter. Je ah bah dessus, du coup, y a que moi oui, qui peut effectivement les acheter, parce que tu n'es pas hôte. Alors, connaissance profonde qu'on ne connaissait pas. Votre troupe peut passer des annonces de recrutement auprès des taverniers. Ah. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Intimidation, les bandits ont une portée d'agression plus petite et abandonnent plus vite les poursuites. Ouais, force mentale, volonté augmentée de 1. Ça c'est Kraken. Oui, pour combien 3 ah, 3 de connaissances 3. Ouais, ouais, toutes les connaissances profondes coûtent 3. Ouais. Voyageur invétéré, réduit de 10% la vitesse à laquelle la troupe se fatigue. Donc 10% de repas en moins. Tous les 10 repos, on a un repas gratos. On aura peut-être enfin des réserves alimentaires. Extra... Je te déteste. Extraction habile, gain d'échantillons d'excroissance, pestiféré augmenté de 1 pour chaque excroissance d'un nid de rat. Plus de tunas. Ouais, est-ce que c'est vraiment... Hein. Nous, on a les popos pour fabriquer des excroissances, donc on s'en fout. Enfin, pour créer des cavernes de rats. Les défis de voix valant au moins 2 pp en rapportent 1 de plus. Bah, c'est cool, ça. Équipement ajusté. Un casque et une armure assortie voient leur bonus d'armure et de garde augmenter de 10%. Joli. Joli. Très, très fort. Les relations au sein de la troupe s'améliorent 15% plus vite, ouais. C'est bien ça. Cueilleur averti, chaque fois que vous récoltez des couscous, vous obtenez également du chanvre. Yes. Pour faire de la corde. Exactement. Okay. Atelier. Ouais. Il a l'air d'y avoir une torche améliorée peut-être. Je sais pas, à côté de la torche. Pas vu de... Enfin là comme ça maintenant, je vois pas de nouveauté. Ah, t'as fait masquer les noms connus ou pas? Non. Mais okay. Je peux masquer les noms connus si tu veux. Non, mais justement, en fait, dans les... À côté de la torche et en dessous de l'hameçon de pêche expert, j'ai l'impression que c'est une torche. Ah, moi j'ai pas regardé ce qui est pas encore révélé. Mais oui, t'as une sorte de torche, ouais. Nécessite une recette, ouais. Ok. Ouais. Ouais, y'a peut-être un loot ou deux de nouveau, quoi. Ah! 7 de forgeron, ouais. Confirmé, ok, casque, machin, blabla. Ouais, non, rien de nouveau. Ouais, dans le forge lol, ça a pas l'air d'avoir bougé. Le renfort du cerf colossal, 4 de force. Oh, un truc qui donne 4 de force. 18 d'armure. Ouais. Tu sais qu'on pourrait le prendre, hein. On pourrait le prendre. Ah! Il y a de nouvelles armes! Tilerio en acier acadien, Qatar en acier acadien. Ouais. Il y a un nouveau type d'arme. Et ils ont fait la séparation entre les arcs et les lances. Il y a l'air d'y avoir des gants couillettes en givracier et ceste en givracier. J'ai la recette du ceste en givracier. Ouais, il y a des armes de pugilat maintenant. Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle classe qui est le pugiliste avec le... Compétence double frappe, posture attaque, attaque une fois supplémentaire, posture de défense, applique affaiblissement pendant un tour. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Bon, nous n'avons pas de pugiliste. Marmite, est-ce qu'on a plus de... Ah, il n'y a que ça qui nous intéresse. Il y a du sirop. On peut faire du sirop. Voilà. Un petit sirop et ça demande des trucs qu'on ne connaît pas. Encore ultra rare à tous les coups, genre du miel. D'hiver. Je suis sûr que c'est ça en plus, je suis sûr que c'est du miel. Apothicaire, est-ce qu'il y a des huiles? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Arme main gauche. Accessoires de ceinture. Au moins, ils ont fait un truc bien. Ils ont tous fragmenté. Non, il n'y a rien de spécial de plus. Un peu déçu en vrai, parce que les huiles, c'est bien mignon, mais. Ouais. Et runes et codex, bah pour l'instant, rien ne bouge. Hein. Mais on n'a même pas fait 3 ruines en fait, c'est pas possible. Si, on a fait 3 ruines. T'es sûr hein. Parce que là, je trouve que notre codex, il sent la misère. Hein. Non, on en a fait 2.
On en a fait deux. Ouais, et on sent la misère là. Hein. On a fait l'artiste et la bâtisseuse. Donc, ouais, on en a fait deux. On est des miséreux. C'est bien ce que je dis. C'est ça. C'est nul. On est nul. Eh bien. Et à l'aventure compagnon. À l'aventure compagnon. Est-ce qu'on se fixerait pas des objectifs? L'arène, on l'avait faite. Alors là, moi, avant de me fixer des objectifs, je sais même pas. Tu m'as emmené dans une région, je sais même pas ce qu'il y a ici, je sais pas ce qu'on fout là. Je vois qu'il y a des choses là en bas à gauche, là, avec la troupe de Libédad, là, et. Interagir avec l'inquisitrice. Ah oui! On était en fait, je connais pas la région, donc. Moi, si t'as envie qu'on aille quelque part, je te suis, hein. Je connais pas le pays. En fait, on s'était paumé pour aller chercher un petit truc qui nous fait très très envie. Qui te fait très très envie? Ah oui, ça me faisait très très envie de l'avoir. Le pont de la grève. Pourquoi j'ai l'impression que la caméra elle tremble un peu? Je sais pas. T'es pas stable? Pont de la grève. On peut pas interagir avec? Ah si. Il se passe des choses sur ce pont. Il y a des gens. On peut parler à des gens. On peut détruire des gens. Vite, parlons-leur. Prince Harold asked us to rebuild this bridge. Demande de reconstruire ce pont, mais quelqu'un s'est trompé dans la commande. Quand le chariot est arrivé, il manquait plusieurs blocs de grès. Now we need to send word to the castle. Then wait for quarry owners to set their prices, for slaves to carve out the blocks, and for caravans to deliver them. It's going to take weeks. Ouais. Vous voulez du grès? On a du grès? To buy any sandstone you have. You won't get paid until the bridge is fixed. On a plus de grès? Oh, bah, ça coûte lourd, hein, ça. Hein. On doit en avoir sûrement dans une boîte, non? Peut-être. Ok, ils veulent du grès. Et lui, il dit des choses, c'est intéressant ou pas? Ça crée des liens. Ouais, bon, il raconte des légendes urbaines, ça fait grand plaisir, mon ami. Bon, bah, faut trouver du gré, hein. De gré ou de force. Le cadavre, je suis pas sûr. T'as ramassé un cadavre. C'est bon, je vais poser. Il y a des ours derrière. On se tape des ours. Vas-y. Sept ours de niveau 9. Ça c'est pour toi, hein. Ça c'est pour toi et tes couteliers qui font 150 attaques minutes. Ah oui, en plus en termes de points, on est confort. On est scindé comment là dans cette histoire? Il y en a par là, il y en a par là, il y en a un peu partout. Trois groupes. On est scindé en trois groupes. Le premier qui attaque c'est celui-ci. Celui qui est devant tout. Ok, qui est devant Will. Ok. Bon, est-ce que je voudrais pas regrouper un Taurus au centre du monde déjà? Je pense que oui, avec un capitaine très probablement. Il n'y a pas un capitaine qui traîne dans le coin? Auriez-vous vu un capitaine, s'il vous plaît? Taurus. Oh, Ovation a été changé. Ah, tu m'as dégagé Taurus, ok, d'accord. Plus du cul. Ah, putain. Ok. Il y a eu un équilibrage sur mon Ovation. C'est le truc qui augmentait qui donnait la riposte à tout le monde sur la map et qui doublait le déplacement. Bah, maintenant, il y a une zone. Là, j'ai tout le monde. J'ai tout le monde au centre. Je serais toi, je rapatrierais un archer. Un Edenal. Moi, j'ai mis tout le monde à droite. Hein. L'excédent, je l'ai mis à droite. Si jamais. Je vais peut-être mettre un Zinlens ici. Si tu veux mettre un lieutenant Will au milieu. Un Will au milieu? Ouais. Je me demande si j'ai envie de faire ça. Vas-y. Okay, Mélanine va aller là. Et je vais mettre un Zinlens ici parce qu'il est super pote avec Taurus. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que ça veut dire qu'il faut taper l'ours T1 là. Bah, l'ours il nous attend. Hein. Il atteint lieutenant Will donc. Et si Sophia. Bah oui, mais tu te mets au corps à corps de Sophia. Mm-hmm. Tu fais le truc qui l'empêche d'avancer et puis t'es bon. Ok, ouais, let's go.
C'est un peu à chier ça. Je peux pas me mettre là. Ouais, c'est mieux. Vous êtes ordonné. Parfait. Brutalité! Eh ben, c'est tout. Ça, c'est mon tour. Prendrais-je le tour avec Zinlen? Est-ce que tu veux pas... Ah, il est où, Zinlen? À côté de Taurus. Pas de cri de guerre, alors? Pas de brutalité? C'est un choix, hein. Bah, en fait, je voulais le déplacer, faire ma flèche de base, tu sais, sur l'ours qui arrive, mettre mon tir, et puis comme ça, sur 4 ours, ils se prendront 4 flèches, quoi. Toi qui le sens, vas-y. Je vais aller chercher la brutalité plutôt que le meilleur ami. Voilà. Bah t'as les deux. Ah. Ouais, j'ai les deux. Ah, il va falloir que je m'avance un peu. T'as plus rien. Encore un peu. T'as plus rien. C'était superbe. On va le mettre sur le buisson. Tu le vois là, comme ça? Oh ouais, vas-y. Inspiration. Tu prends le virage en cours. Tu te prends 106, ça aurait pu faire un critique. C'est pas mal comme petit tour. C'était intéressant. Ensuite. Est-ce que vous voulez de la brutalité ou pas? Vas-y, tu peux mettre une brutalité. Tu veux de la brutalité ou pas? Brutalité. Brutality. Je vais peut-être me coller à des gens d'ailleurs pour faire une brutality. Je mange pas de pain. Je suis meilleur ami avec qui? Avec tout le monde. Avec Zinlen. Avec tout le monde. Hein. J'avais oublié que je jouais le général cuisinier. J'ai la souris qui bugote, c'est rigolo ça. Général commandeur brutalitaire. Alors. Le hortoir c'est pas nécessaire. Le triple coup peut-être. C'est ça qui ouais, fait je pense. Plus de hein. Bon, le 104 il fait plaisant. Bon, bah, ça se fait. Petit coup dans les côtes c'est là. C'est des sacrés sacs à PV. Hein. Joli. Le petit coup de Hurt. Ma ding ding dong à 83. Par contre, ça lui a enlevé le. Non, il avait pas de niveau. Un capitaine pour redonner des points. Oh, par contre, j'en donne pas un peu. Hein. Je te préviens, j'en donne masse. Hein. Je sais, t'es ordonné, monsieur. Ah, décale-toi peut-être pour que Sylvain. J'ai tout le monde. Sylian. Ok, Sylian est là. Je l'ai. Et je le fais même sur elle, l'ordre. D'ailleurs, pas mal. Très exact. Je suis pas sûr que ça m'intéresse d'aller taper un trou du cul à l'autre bout du monde. Je peux peut-être taper sur un de ces trois-là, là. Je te dirais d'aller te mettre devant Zinlen au moins. Ah ouais, mais là, après je vais pouvoir bouger. Quoique, oui, vas-y. Je vais peut-être pas pouvoir bouger après. Fais ce que tu sens, fais ce que tu sens. Il va aller sur... Attends, moi pour avoir... Pour pouvoir avoir régénérer mon déplacement, il faut que j'engage quelqu'un, je crois. Tu t'engages, ouais. Ouais, c'est ça. On va aller s'engager, non? Faut que tu t'engages et que tu te désengages derrière. Ah oui, c'est vrai, t'avais plus de feu. Combien de gardes là? 53. Ah ouais. Je suis venu. Voilà. J'ai fait mon taf. Hein. J'ai tatané. Je suis reparti. C'est ça. 118. Ah, ils ont nerf la mécanique. Avant, chaque tir que tu faisais te donnait de la rage. Maintenant, c'est plus que le tir de base. Ah, les salauds. Est-ce que je bougerai pas un gros? Est-ce que j'irai pas les détendre oui, à grand coup de masse là? Ah non, c'est chaque fois la première. Ah, oh, c'est des salauds. Je vous présente Jeanne. Parce que Jeanne masse. Ah,
Non, je crois qu'ils ont... Pourquoi tu mets deux fois des dégâts? Bon, pourquoi pas, hein. T'as lu l'explosif dessus? Je sais plus. Non. Mec, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué, j'en sais rien. C'est vrai. Je sais rien du tout. C'est vrai, c'est vrai. Je reste au close ou je me casse? Reste au close, je vais venir te t'aider avec une un archer ou... Ok. Ou Siliana. Siliana. Ah, enfin. Un crit sur 3, on va finir par croire que t'as 33% de... Ouh, la gifle. La giflette. Ouais, un gifle, un film de l'ours. Faut tuer l'ours qui est sur le gros monsieur. Hein. Ok. Je le laisse comme ça. Brave. Nous sommes donc braves. Bon, y a rien d'autre à faire. Je vais venir me mettre à côté de toi et puis basta. Alors, le prochain à jouer, c'est lequel? C'est lui, mais dans du temps. T'as pas l'arc qui perfore les deux? Si, si, mais je les aime bien. Ah oui, ok. Voilà. Ah putain, il faut qu'il ait le solitaire. Ok, merde. Bon, c'est pas grave, j'avais la brutalité au moins. Je vais m'éloigner comme ça, j'ai le solitaire. Et maintenant, Le prochain à jouer, le problème c'est qu'il n'est pas engagé. On va y aller avec la coutelière distance. On va leur... On va te mettre le saignement. Tu lances pas des couteaux dès que tu utilises des compétences, toi? Si, si. Pourquoi tu dashes pas à travers pour venir nous voir? Je peux aller jusque là. Hein. Non, non, mais pour aller te cacher, je veux dire, ça va te faire lancer des dagues et ça te cache derrière les deux tanks et donc les ours taperont les deux tanks, tu vois. C'est pas forcément ça que je réfléchis pour le moment. Ok. Ok, je vais finir celui qui est engagé. Tu vas finir celui qui est engagé? Bah non, il y en a aucun engagé. Si, celui-là qui est engagé. Ah, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Non, non, parce que si tu peux pas. Ce qui nous intéresse, c'est de finir celui qui a 302 PV. Parce que t'as quelqu'un qui peut sortir 302 PV. Plus difficilement. Difficilement. T'as quelqu'un toi ou pas? Il y a un truc que je peux faire, c'est jouer Stevie Yan pour repousser la bête immonde et la mettre dans le mur de lance pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ça peut être gérable, ouais. Vas-y.
Donc ça veut dire qu'il faut que je vienne là. Je pousse cette créature. Wow. Et bah voilà. Et là normalement elle est obligée de bouger. Ah, c'est un peu triste. Pourquoi? Bah parce que là en fait je me prive de lui mettre quand même un courroux sur celle qui a engagé contre Stevie. Hein. Est-ce que je ferais pas un courroux sur la bête? Course. Je cours, ouais, course ouais, de l'autre côté, genre ici, et après je mets mon truc. Vas-y, vas-y. Okay. Voilà. C'est toujours ça de prix, tu vois. Sans cesse, c'est toujours... voilà, ça se prend, quoi. Ouais, ouais. Les gens racontent que ça se prend. Et dans ces cas-là, ouais, l'idée, c'est d'en bloquer un. De toute façon, j'aurai jamais les deux. Voilà. Et voilà. Quoi qu'il fasse, normalement, il se prend une tatane. Voilà. Mmh. On est couvert, au moins. Mais sauf qu'il est déjà à contact, je crois, quand même. Ouais, il est quand même à contact. Il est tombé sur un ours plus gros que lui. Il est mort. Il est mort. Il est mort en tabant sur un ours plus gros que lui. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. 194 PV, tu les ferais pas à l'arc? C'était ça la question. Si. C'est vraiment le meilleur d'entre nous. Hein. Ah, il y a un orc, qui fait si la cible n'a ni garde ni armure, les dégâts sont triplés. Bon, écoute. Bon bah. Il y en a encore un à jouer, hein. Ouais, mais je pense pas qu'il peut atteindre grand monde, hein. Il gagne l'inspiration avec le truc. Ah oui, donc il va pouvoir atteindre tout le monde. Mmh, on va faire un truc. Alors. C'était peut-être plutôt celui du haut qu'il aurait fallu déblayer. Ne t'inquiète pas. Oh non, elle tue pas du coup. Fais chier, j'avais oublié ce truc. Chiantos. Ouais, c'est nul. Oh, je suis dégoûté, Et oui, faut pas oublier que les ours, faut les tuer après. Faut les descendre à zéro, puis faut les tuer. Ouais. Ils ont encore leur... C'est pas grave, hein, t'as libéré la place sur le capitaine, c'est très bien. Du coup, il va aller tout droit à l'autre. Ouais, et ça va nous refaire... Il reste pas 50 persos, hein, donc je vais déplacer ma vigue. Hein. Ouais. Ah, je marche dans le feu si je fais ça. Là, je marche pas dans le feu si je fais ça. Et ben, je vais faire de la soutenance au crew. Voilà, venir ici. Et je vais... Ah. Voilà. T'enlever le feu. Et puis, je vais me déplacer d'une case. Voilà. Ma vigue est Stevie. En faisant la relation s'est améliorée. Oh, joli. Merci. Enfin. Les 4 flèches ont été tirées. La petite riposte. Tu reprends la riposte. On gagne 2 points. Nouveau round. Il prend 1000 points de vie de dégâts supplémentaires. Ouf. J'ai un archer qui est dans un sale état. Est-ce que je le bougerai pas? Qui est dans un sale état? Comment ça? Ah. 19 PV Ouais, je peux venir te soigner, hein, si tu veux, hein. Ouais, tu peux faire... Vas-y, fais ce que tu veux. Ou alors, je peux courir. Attends, parce que moi, j'ai un gros, là. J'en ai deux qui sont alignés. Je me dis, c'est quand même le moment de leur mettre des gifles. Vas-y. Tu veux que je passe te soigner, vite fait? Ça me fait plaisir. Non, tu vas pas avoir assez de points si tu veux faire tout. Tu veux faire quoi? Si je veux taper dessus? Si, j'ai assez de points. Il faut juste que je fasse ça. Voilà, c'est tout. Pourquoi les dégâts ils explosent comme ça? Quoi? Pourquoi pas? C'est rigolo.
Ah, moi je suis pour, hein, mais ça veut dire que le marteau est enfin devenu, devenu worse, hein. Tu veux le laisser s'enfuir? Non. Huile vaporeuse, chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, à 50% d'infliger 5% de la santé max. Ah, c'est pour ça. T'as l'huile vaporeuse. Par contre, j'ai pas engrainé le bon. Et il va te taper. C'était sûr. Tu t'en sors comme un chef. T'as l'air d'être dubitatif. Ah. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage dans cet état-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Alors attends, on peut récupérer du point. Je peux bouger Stevie en et pour aller récupérer du point. Mmh. Et je peux pousser cet ours en plus. Et bah, t'apporter du soutien moral. Ça me fait plaisir. Tu l'as poussé très loin. Dans les orties. Là, je peux approcher n'importe qui. Genre un capitaine. Un capitaine peut te soigner. Je peux terminer aussi. Hein. Mais on veut te soigner. On veut que tu sois notre ami, Zinlen. Avec qui t'es pas ami? Avec qui ne suis-je pas ami? Avec peu de personnes, en vrai. Zinlen, je crois que tes relations, en plus, s'est améliorée avec le lieutenant, je crois. Le lieutenant, non, il m'a toujours détesté. Toujours détesté, c'est personnel. Bah, si t'es pote c'est quelque chose de monde, fortement personnel. Non, mais pour t'éviter une blessure, on va te soigner. La blessure, c'est jusqu'à... Il faut aller au-delà de 50%. On va te soigner. Remarque, c'est pas très très compliqué, en vrai. Ouais, quoique non, ça soigne pas, ça suffira pas. Je sais pas, ça te fait une blessure aggravée, en fait, de finir le combat à zéro. Bon, je sais pas, donc bah écoute, vas-y, finis l'ours. Il y a 300 PV à enlever, plus 1, comme qui dirait l'autre. Je lance beaucoup de couteaux. J'ai pris tous les couteaux de mon mari. Tous. Edena, les montées de niveau. Oh. Ouais, c'est ça, ça te fait une blessure à la fin. T'es blessé. Ouais, mais on a une civière au pire, c'est pas grave. C'est quoi ta blessure, bro? Ah bah, tu me l'as soigné. Oui, j'allais pas te laisser. Alors, vide de la bouffe, vide des trucs. Ça, c'était hyper important. Je pense qu'il faut penser à un campement. Ouais. Edenal est monté de niveau, et monté niveau 10. Et c'est il bon est officiellement ça. Plus haut HL que Zimlen. Félicitations. Ah. Merci. Mais de toute façon, c'était déjà le meilleur, on le savait. Hein. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Ça n'a étonné personne en fait. Alors, on va se faire un peu de viandasse. Je vous remonte du gras. Je vous remonte des minerais de fer. Je vous remonte une bouteille vide. Je vous remonte de la couscous. La couscous par là. Et j'ai toujours une maîtrise. Ah, on a toujours un livre de maîtrise de compétences qui traîne dans mon inventaire. Hein. Si jamais. Mmh. Ah, c'est je pas là les bouteilles. En avoir besoin en vrai, étant donné que mon. Nédénal et Dénal vient de monter de niveau. Je l'ai mis ça à côté de la patte colossale. On n'a pas gagné d'ailleurs de paluche colossale. Un peu triste. Et non, il ne peut pas. Les compétences de niveau 10 ne peuvent pas être augmentées. Non. C'est de la merde. Sad. Ok. Inséparable, nous avons gagné un point. Témérité, nous avons gagné un point. Coupe jarret 3 pp. Ah, on va bientôt monter, on va bientôt prendre notre jeton hein, sur les coupes jarrets. Hein. Sur le crime. Sur la crime, bien sûr. Mmh. Le crime organisé. Ah, pardon. Non, non, t'inquiète, c'est bon. On pouvait y aller. Non. Hein. Oh, ouais. Y aller. Okay. Il y a l'air d'avoir une cabane de pêche. Une cabane de pêche ou ça? Attends, il y a du bois là. Il y a des choses. Partout. Vite, je clique comme un dumb. Oh oui. Oh, tu sais ce que ça veut dire ça. Je sais que tu lag. tu sais que je lag, d'accord. Ça veut dire, monsieur... Applaudissez, mais en science. Exactement, le retour de la condescendance. Oh là 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 là. Ah, on voit les poissons dans l'eau, maintenant.
De sardines et du chanvre. Catch 12 différentes special of fish. Voilà, j'ai eu un succès. Moi aussi. Parce que j'ai catché 12 poissons différents. Ah non, c'est en cours, d'accord, c'est en cours d'augmentation le machin. Plus de anguilles, ça fait plaisir. Bah, y'a rien d'autre, on peut partir d'ici. On peut partir. On peut parler aux gens en fait, hein. Bien sûr. Hein. On peut inspecter des boîtes. Attention, on peut piquer du chanvre. Déjà fait. Bon, on parle aux gens. Arrêtez de parler aux esclaves, vous ralentissez. Bon bah, on va te parler à toi. The Inquisition is lying. Having slaves is no heresy. It's a traditional way of life. The thief must serve the honest man. The loser must serve the winner. Such is the Alizarian way. Always. Now that we've cleared things up. Elle s'appelle Summer avec 3 M. What needs to be done before sunset? Avant le coucher du soleil. Pourquoi c'est notifié spécifiquement le coucher du soleil? J'imagine qu'il y a un truc qui se passe. T'es pour vu, toi, hein. Mon grand. Donne la bouffe. Hein. Prends la bouffe. La bouffe. J'ai même des champignons. Voilà, la et bouffe. Et du fer. Le fer, c'était. Là. C'est de la bouffe pour. pour Os de Barbe. Ah bah, Os de Barbe, il mange n'importe quoi. Il y a quand même un ours qui est mort en lui tapant dessus. Hein. L'ours s'est littéralement suicidé en tapant sur Os de Barbe. Hein. Bah on peut se tirer d'ici, je pense, il n'y a pas plus à faire pour l'instant. Ouais, je crois pas. Bon, on a eu du bon poisson, hein, c'est bien, hein, ça tombe bien, on a un peu de ration de survie. On pourra revenir après le coucher du soleil, j'imagine. Donc dans 2 heures. On grimpe un peu, on va voir ce qu'il y a. Finalement, on est un peu des voyageurs avant d'être des mercenaires, j'ai l'impression. J'ai l'impression que notre métier c'est voyager. Hein. Voyage, voyage! Oh, un camp! Une perce-neige là! Paf! Un camp discret. Il est pas très discret, les gars. Oh. Et ça va être l'endroit pour récupérer encore des perce-neige là. Les potions de soins, le retour. Mm. Oh, il y a du crochet à utiliser hein, par ici. Clic-clac, c'est dans la boîte. Hein. On a peut-être dû leur parler avant de les piller, quand même. Au cas où. Non! On est des voleurs, on est recherchés, mec. Pas nous. Il doit tromper avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, avec le lieutenant Will. D'après le lieutenant Will, c'est Zinlan qui est recherché. Hein. Parce qu'il ne fait pas de. Il fait pas des crits en fait. Il a 125% de chance de faire du crit, il en fait pas quoi. Eh ben en fait, les archers ils sont bien fainéants, hein, j'ai l'impression. Hein. Bordel. Les archers ils ont l'air de s'être bien fainéants. Hein. Je te laisse récupérer la bouffe. Ça, c'est pour Bibiche. Du poisson, des steakos. Oh putain, j'ai du merdier qui traîne dans tous les sens. Faut que je change tout le temps. Ah alors, de la couche. Y a Stevie qui peut couper du bois. Ouf. Oh. Il va se passer des choses viriles. C'est ah l'heure oui, de. Putain, on a des weed. C'est quoi ça? Ah, de la résine. La viscosité de cette substance la rend difficile à manipuler. Elle peut s'avérer très utile en alchimie pour le traitement de matériaux. Et à première vue, on peut le cuisiner. Donc je te mets ça, je sais pas, il y avait pas un... Tiens, à la place du bouquin. Tac, je mets le bouquin tout en bas. Ok, je vais regarder le chanvre, c'est par là. Voilà. On a rangé un peu les trucs. Coupons du bois. T'es bien. De manière virile. Et musculeuse. Ah, comme il a changé d'armure et qu'il a une armure un peu plus... Ah ouais, maintenant on dirait un bonhomme. Hein. Allez, plus un bois par coup de hache maintenant, Stevie et compagnon. Stevie est un homme. Ce qui est quand même grave, c'est qu'on a plus d'un mois on a un mois et demi de nourriture. Seulement. Et ça ne périme pas. Jamais. On en achète toujours plus. Et on a raison.
Il y a quoi dans ce baril? Oh, il y a de la picole. Ah ouais, mais c'est... On est déjà... Oh, ça bon, va, alors qu'est-ce... Bon, parlez aux gens, peut-être. Ouais, il y a du lucide là-dedans. Hein. Chasser la meute fantôme camp, mercenaries. The tracker set up there is in the center of Drumback. We too come from Harag, but with a different purpose. Despite the many treaties and peace accords between our kingdoms, Alazar keeps buying slaves from the bandits roaming our lands. We were sent by our clan to free our brothers and sisters who were captured by those miscreants. Should you wish to support our cause, we can afford to reward you. Enter the Icy Bay fishery after nightfall. Free the poor souls they're holding captive and bring them to us. We'll make sure that no soldier interrupts you. On fait ça? Franchement, ouais, ça peut valoir le coup. Mais parlons aux autres d'abord. My own brother was abducted when he was just a boy. T'as rien à dire. In Gothenburg and Alazar, everyone claims that their slaves are all a lie. Ok. Pour l'instant, vous n'avez rien de plus à ajouter. Okay. On a piqué le bout de chanvre. Il doit y avoir un bout de chanvre caché quelque part. Là. T'as pas chanvrillé un truc, là? Non. J'en vois pas en appuyant sur le Alt, en plus. Il n'y a pas de chanvre. Non, déception. Y a pas de chanvre. Nous pouvons partir. On va récupérer des herbes. Récupère des herbes. Il y a de la... Alors, attends. Y a de la... Juste deux secondes. Si on a des trucs à faire en... Cuisine? Non, pas en cuisine. En crochetage, je préfère avoir des crochets d'avance, tu vois. Crochet. J'étais accroché, je vais m'en faire 5 de plus. Ça, j'en ai une quinzaine. Je sais pas combien il va y avoir d'esclaves à se libérer, mais bon. Ok, c'est bon pour moi. Attends, on peut récupérer des points de bricoleur et d'artisan légendaire. Je récupère, hein. Ok, bah let's go. Hein. D'ailleurs, je voulais regarder un truc vite teuf. Ouais, vas-y. Non, ils ont rien changé sur les. Récupère un peu de matière première. Hein. Tiens, hey. Y aurait pas des trucs à faire avec un python là? Vas-y. Est-ce qu'il y aurait pas des pitons obscurs à tenter là? Pose tes pitons obscurs de la mort qui te suit. Ici, non, mais de l'autre côté, peut-être. Ici, c'est interdit. Non, c'est la fin du monde. Hein. Le jeu t'a dit là, gros, il n'y a aucune corde qui descend jusque là. C'est le bout du monde, bon, frangin. Inspecter une vieille cabane, on peut aller voir cette vieille cabane. Hein. Les platistes avaient raison. Tu peux laisser le cadavre, hein, si jamais. Wow, on se tire de l'autre côté. C'est des gardes. Oh la vache, ils courent vite. Oh putain, ils courent trop vite. Le camp. On va faire une sieste, ils nous verront jamais, t'inquiète. Ça va bien se passer. 80%. C'est peut-être l'occasion d'essayer le tabouret de veille. De mettre quelqu'un au tabouret de veille. Ah, pour réduire les chances de se faire attaquer. Ouais. Je suis pas sûr. Et encore, je crois que ça réduit pas les chances de se faire attaquer. Ça réduit juste le. Enfin, ça évite juste que tu te fasses. Il réduit les chances d'être attaqué pendant le repos. Ah ouais, bah ouais, c'est le moment de mettre quelqu'un, je pense. Hein. On va mettre mélanine trop importante. Tireuse. Eh, oh. S'il te plaît. Le jeu. Voilà. Et donc on passe de 80 à 80. Ok, ça change rien. Les gardes sont juste à côté, c'est normal en même temps. Bon, bah écoute. 80% de chance. Ouf. Il va peut-être falloir mettre des bons trucs de bagarre là. J'ai mis un truc ou deux de bagarre. Après, malheureusement, 80% de chance, c'est pas 100%. Hein. Ah ouais. Donc, malheureusement, tout claquer si on se fait pas embrouiller, ça serait quand même un peu con. Finalement, je vais nous remettre un champot ou deux. Voilà, poisson, on est content. Il y a 55. On peut se reposer avec ça. Il n'y a pas d'alcool, il faut un alcool. J'ai pas d'alcool, monsieur. Oh bah attends, je vais nous caler une bière. Hein. Ici, c'est quoi? Ah, c'est des trucs qui rapportent 4. Ah, moi, ça. Hein. Parfait. Voilà, il y a de la biodiversité là. Allez, bonne nuit tout le monde. À demain, tranquillement et sereinement. Ah non!
committed under the eye's gaze must be punished. Mais on lui dit d'aller se faire enculer, on est d'accord. Recherchez plus sang. Bah c'est des choses qui arrivent. Oh putain, il y a du monde là-dedans. Ouais, ouais, il y a du monde. Messager élite, adorateur de Zélie, 3 fanatiques élite. Ah oh, bah écoute, hein. De toute façon on a choisi, hein. On a choisi notre mort. On a choisi notre dure vie de labeur. Hein. Ouais, on est remonté à 600, oh là là. C'est marrant, on peut pas monter à 700, ouais. Un peu déçu. Un peu déçu quand même. Hein. Voilà, va. Est-ce qu'on regrouperait pas toute la Funky Family là? Parce que j'ai l'impression que ça sent. Ah, quoi qu'en haut à droite, il y a quand même du monde à taper. Il hein. Y a de l'élite à prendre. Il y a peut-être de quoi manger du bonhomme. Ouais, ouais. Vas-y, ramène-les. Non, vas-y, on va ramener à mon beau mur. Arrêtez, je mets à mon beau mur au milieu. Vas-y, vas-y. Je vérifie juste qu'il y ait personne qui manque. Bah moi j'en ai 3 que je peux pas remonter hein. Ok. Je regarde un peu les arcs. Ok, flèche de l'œil. Je vais prendre ma race hein. Je vais prendre à ma race même. Écoute, je peux te mettre une petite Sylvia Vanea ici, si tu veux avec toi. C'est un pack comme Siliana, on fait Siliana, je mets un Zinlen s'il faut. Peut-être plus cela. Ici là, en bas. Plus en bas. Ouais, par contre en bas ça ouais. Joue en premier. Hein. Moi je suis d'accord, ouais. Hein, mais ça joue en premier. Hein. Et ben on met à mon bon mur devant. Ou alors Siliana. En fait, l'avantage de Siliana, c'est que je vais avoir un truc qui va être très très fort, c'est que je vais donner à tous ceux qui sont à côté de moi l'inspiration. Donc okay. Ça veut dire que on va pouvoir se barrer. Sachant que fin du tour, il y a des renforts. Ouais. Ah, pourquoi on peut pas acheter le fait qu'on n'ait plus d'étoiles? Ok. Ok. Moi je suis d'accord. Tu veux commencer par quoi? Donner des points. Donc on accepte de se faire taper par le purgateur. Ouais, le purgateur, ouais, vas-y. Il fait quoi le purgateur? C'est inflige des dégâts et la tire jusqu'à s'engager. Si la cible est engagée. Elle fait une attaque d'opportunité. 111% de dégâts. 111% de dégâts d'opportunité. Pas le choix, vas-y go. Son armure est pas mal hein. Leur armure est pas mal. Et c'est quoi leur boost? Je vais pas regarder. Leur boost, si une unité engagée engage elle-même un adversaire. Là, y a elle volonté du chef, tu as dégâts augmentés de 40% pour chaque bonus appliqué sur la cible de ses attaques. Chaque fois que la santé d'une unité subit des dégâts, elle gagne 2 de rage. Ok. Mm-hmm. Et il va falloir buter le chef. C'est lequel? C'est Sarulf? L'inquisiteur ouais. Sarulf. Ok. Donc des points. Et des points ouais. D'anime. Oh, son bouclier est vénère. Oh, je me doute. Hein. Des points. Des points, des points, des points. Des points, mon gars. Dénal, j'aurais de pote, tirailleuse, je sais pas, vas-y, let's go, tirailleuse. Stigmata du paladin. Moins 2 de mouvement, 1 de volonté, 4 de critique, 25 de garde, 207 d'armure. Bah. Et le fanatique, il se prend à chaque fois 31 points de dégâts. Arrête de lui donner des coups de bouclier. Il est monté à 80% de... Wow, chaud. Voilà. Ok. Voilà un round de capitaine. Ok. Ça va, elle a pas pris trop cher. Alors, les deux prochains à jouer sont qui? Le fanatique. Lui qui est à Shai ouais. Et l'autre. Par contre, le fanatique qui est à côté du. Bah, qui est dans le pack qu'il faut dégommer. Bah, un Taurus, ça me semble une bonne solution. Ah, ouais, il y a deal. Hein. Alors, je peux booster le capitaine. C'est bon. Attends, parfait. Ça, c'est joli. Hein. Ouais, le capitaine avec, c'est pas mal. Je vous laisse un petit créneau pour passer là, juste à côté de moi. Hein. T'inquiète, il y a la course.
Il y a la course ou il y a les bip bip. Bop bop. Le critique est toujours worse. Hein. C'était intéressant. C'était et fort intéressant. Si je le ponque et qu'il a un malus, il prend plus cher. Voilà. Il me fait plaisir. Enculé. Je pourrais aller embrouiller quelqu'un si ça t'intéresse. Je peux aller aggro un gars. Vas-y, si t'en... En fait... Qui ? C'est ça la question. Bah, l'adorateur le plus proche de toi. Comme ça, je suis obligé de faire... En fait, je suis obligé de faire un sprint. Vas-y. Sur qui que ce soit, donc... tu veux que je lui monte son cul, là ? Hop, je vais là. Ouais, je vais balancer une Sophia. Je vais balancer une Sophia dans le tas, hein, écoute. Est-ce que je mettrais pas un marteau avant que t'envoies Sophia ? Ah, peut-être. Parce qu'ils ont beaucoup d'armure encore. Si jamais, je te le dis. Vas-y. Vu que je vais pouvoir en taper au moins deux... ils vont pouvoir se prendre des sacrés roustes. K.O. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils jouent ? Envoie un marteau, il y en a trois qui... T'as un pack de trois. Il y a un zélote qui fait rien, ok. Et ici, c'est le fanatique qui va jouer, ok. Est-ce que je peux avoir le pack de trois ? Ouais, je pense pas que je peux avoir le pack de trois. Hein. Bah, fais ta course d'abord. Ouais, je vais d'abord faire une course. ouais, ça me paraît un peu gros, le pack de trois, là. Hein. Moi, je veux bien, hein. Moi je veux bien y croire. Hein. Alors j'y crois avec un capitaine dedans déjà. Ça me pose problème. J'y crois mais avec un capitaine dedans. Bah pack de deux hein, seulement, hein, les deux devant toi. Ou inversement on peut tenter un pack de trois en se mettant plutôt par là tu vois. Ah oui celui-là aussi, j'avais pas vu. Et là t'es sûr de pas avoir le capitaine. Ah bah là j'ai pas le capitaine, oh le pack de trois. Oh je t'ai ouvert une porte là. Oh, je t'ai fait une ouverture pour le crime. Et je rappelle que je vais en aggro 1 en plus. Histoire de bien faire. Bah, je vais aggro si celui-là. Hein. Aggro moi le fanatique. Quoi. Attends, le fanatique. Oh, je vais me mettre quand même d'un côté qui m'arrange un peu. Non ? Ouais, si. Toi qui vois. Ouais, je peux commencer à rapatrier mon cul en fait. Ouais. Si je ferme ici, c'est pas trop gênant ? Non, c'est bon. Ok. Ça marche. Sophia est un... C'est bon, il est aggro. Bon, il peut même mourir si tu veux. Hein. Bah, tue-le, hein. Je peux le tuer et aller embrouiller le mec d'à côté. Hein. Vas-y, tue-le. On ne leur laisse aucune chance. Ils ont des renforts et on ne sait pas combien il va y en avoir. Écoute... tu prends le feu, là ? Non, ok. Non. De toute façon, je vais le prendre parce que je finis au close avec lui. Non, c'est quand... Ce sera la fin de son tour. Voilà. Donc là, par contre, t'as tous leurs culs qui sont gratos. Hein. Mais alors, tous ! Enfin, s'il y en a un qui a un peu d'armure, quoi, mais bon, c'est un ninja, quoi, donc il a pas d'armure. Oh, il a un pyjama, ouais, quoi. Ouais. Il a un gros pyjama, quoi. Alors. Alors, il y a un zélote qui va jouer. Qui va taper sur un tank. Et un autre zélote qui va jouer, qui va aller taper sur un tank. Ah, qui peut aller taper plus loin. Est-ce que tu veux que je bouge un lieutenant Will ? Par exemple, pour aller protect le bas avec ma lance, en fait. Je veux bien, ouais. Ce qui me paraît pas déconnant d'aller jusque-là, d'ailleurs, parce qu'en fait... Ils ont pas d'archer ? En fait, si, ils ont un archer. Je t'emmerde, déjà. C'est gratos. Ouais. Ah merde, je me suis peut-être un peu trop avancé. Ouais, hop là. Ouais. La course, et là, ouais. Est-ce qu'un ordre est intéressant sur nos deux tanks ou pas ? Oui, moi c'est à l'engagement, donc... Enfin, non, ça aurait été... Ah bah oui, Mavig aussi. Ok, vas-y. L'ordre est claqué sur les deux pavés. Et puis, let's go comme ça. On termine le tour du lieutenant Will. La riposte est activée. Je crois qu'il a un peu mal. Un peu fou le mec. Même le jeu il a ramé, il a fait oh, attends, ça fait beaucoup de chiffres ça. Ouah, il y a une Mavic qui va abattre le jugement divin sur la gueule de... Alors le prochain à jouer c'est... il va falloir que j'aille faire un nettoyage en bas. Parfait, okay. Excellent. Alors pour l'instant ça se dégoupille pas mal hein. Comment on va la jouer en vrai? Ok.
Je vais utiliser un point. Oh bah vas-y. Hein. J'utilise un point. J'ai la fureur sur mon couteau. Puis il y a la hache qui s'envoie sur l'autre. Parfait. Hmm. Ensuite, là je tue le couteau. Ici. Oh, il y a le feu au sol. Hein. Partout ? Et là je tue. Avec tes coucouillettes. Et voilà. Je peux m'amuser. Et là t'as pris 6% de critique, enfin 6% de dégâts. Patata, elle gagne non, tu gagnes des dégâts tout court, jusqu'à 6% de dégâts supplémentaires. De base, vanille, fromage. Sans supplément. Parfait. Je pense que c'est un tour plutôt bien. C'était constructif. On va pas se mentir, c'était construit. Le prochain à jouer, c'est un fanatique Zissi. Qu'est-ce qu'il peut atteindre? Il peut atteindre tout le monde. Il peut atteindre seulement Lieutenant Will. Donc c'est-à-dire que je peux mettre aussi un autre Stevie en position. C'est ça. Moi, ce que j'ai peur, là, ça va être les renforts à la fin du tour. C'est un... Ah, c'était quoi, là? Ah, t'aurais peut-être dû faire le... Le Kourou. Ouais, le coup. Ouais, mais j'économise un peu de points parce que ça a l'air de rien, mais une barrière ça bouffe du point. Ouais, c'est vrai. Donc, hop, voilà. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Il a été malin. Ah oui, pour en taper deux. J'étais con, c'est vrai qu'ils ont leur règle à la con pour taper deux gars. C'est moi qui étais bête. Je vais t'envoyer de l'archer pour aider. Non, pour l'instant, ça va aller là. Ah et ouais, ben... ouais, tu pourras en toper hein. Si ouais, en vrai, vas-y, avance tout ce que tu peux avancer en vrai. Iris des neiges. Ah, soigne mourant et gagne 10% de santé maximum. T'as vu, il y a une Iris qui traîne. Ah ouais. Juste à côté de Zinlan et tout là. Pas mal, pas mal. Trop bien. Intéressant. Et retire tous les effets de poison, saignement et brûlure hein. C'est sexy hein. Ouais, ils ont rajouté des trucs sur les maps, c'est bien. C'est joli, c'est bien. Du coup, attends, je suis en train de regarder s'il y a pas d'autres trucs. Bah pareil. Non, je fais la même là du coup. Bon, il y a une lance, il y a une lance qui traîne dans un coin, mais. Il y a une lance, ouais. Par contre, là, tu vois, j'ai un gros doute de comment la jouer celle-là, ce tour-là. Bah, moi, je serais toi, je laisserais pas. En fait, le problème, c'est que là, t'as tout un groupe d'individus vulnérables. Mm-hmm. Et c'est pas une bonne idée parce que si jamais il y a des renforts qui arrivent par le top, bon, bah, celui qui a le plus d'armure, je crois que c'est Zinlan. Hein. Non, c'est tirailleuse. C'est tirailleuse, excuse-moi. Tiens, alors, 2 points de cuirasse supplémentaires, Fifi. Ouh. Elle a 20 points de cuirasse, hein. Waouh. Alors, Zinlan. Et 8 points de vie de plus. Zinlan. Elle est imbutable, quoi. En avançant, je ne touche personne avec mes arcs. Bah, laisse-le avancer sinon, hein, si tu veux pour l'instant, les gens. Moi, je prends ma vigue et je cogne avec, hein. Vas-y, cogne avec ma vigue. C'est quoi déjà la règle pour ton marteau, déjà, pour qu'il fasse mal? Ah oui, faut que t'aies le plus de force que l'unité. Je sais pas, j'ai plus de force que ce type, là. Non, il en a 78. J'en ai combien? T'en as 58. 58. C'est vrai que je suis une faible femme. Mm. C'est vrai que c'était tout le problème de ma vie qui devait partir. Le zélote. Ah, le mec avec sa torche, par contre, ouais, il va prendre tarif, hein, je crois. Hein. Ça va sonner. Hein. Ça va sonner, monsieur. Oh, ce son. Ça a sonné, là. Ça... T'as une brutalité débloquée. Hein, c'est correct, hein, même. Hein. C'est une faible femme qui a enchaîné 3 critiques, quand même. Hein. Elle a combien de chances de pourcentage de critiques, elle? Réponse plus que Zinlay. 47% de chance. Et ça parce que c'est gratuit. Normalement. Ouais. Et oh, mais j'en ai même gagné 2. C'est pas gratuit, ça a rapporté des points. Zinlan, 60% de chance de coup critique. Je pense que c'est capé à un moment donné. Ce qui est dégueulasse d'ailleurs au passage. Parce que dans ces cas-là, le jeu statistiquement, il devrait te le dire. Que t'arrêtes de grimper des trucs. Le prochain à jouer, c'est le messager ici présent. Il faudrait aller les toper. Parce que les archers vont nous faire mal. Surtout si on n'a pas d'armure, ni de garde,
Ils vont nous casser la gueule. Alors, je vais envoyer une mélanine, monsieur. Une mélanine. Une mobilette, quoi. Une mobilette, comme on appelle ça dans le métier. Pas mal, hein, les traces dans la neige aussi. Hein. Ouais, je trouve que c'est sympa. Petit style. Hein. Ça s'efface doucement. Alors, toi, parce que cette attaque-là est gratos. Et que ça te régénère tout ton move, c'est ça? Théoriquement, oui, mais elle a décidé de ne pas le faire. Comment ça? Attends, quoi? À 4 mètres? Eh ben, il est dedans. Pourquoi t'as pas lancé ton couteau? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, 4 mètres, c'est moins que... Il est pas dans ta zone, hein. Il a juste un bout de son truc dans la zone, mais il a pas le centre du socle, non? Il a tout le centre du socle. Bah, écoute... Ah, parce que c'est sur une autre cible. Ah, ça a été nerf? Non, c'est ça, de base, je crois. C'est sur une autre cible. À l'ennemi le plus proche dans... Non, à l'ennemi le plus proche. Chier, je vais essayer une habilité, hein. Non, vraiment. Non, mais t'aurais dû courir. Là, il considère que t'es trop loin, je sais pas. Ouais, il me considère trop loin. C'est... Non, mais cours, approche-toi du coup, tant pis, hein. Ouais, mais là, je peux plus aller toper les... trucs, hein. Je voulais garder ma course. Non, mais c'est pas grave, tu te plantes derrière la ligne de tank, et puis tu taperas sur un tour prochain, hein. Toi, juste pour la beauté de la forme, t'as le feu et le saignement. Putain, il a pris tarif quand même. Ok. Après, s'il te reste des attaques à faire dans le dos des gens, hein, y a des gens un peu partout. Hein, y a quand même deux mecs engagés, hein, mais ça pouvait être utile. Le seul que je peux taper, c'est lui. Voilà, ok. Bon, c'est toujours ça de prix. Descends. Et là, je vais supporter Lieutenant Weed. Parce que Sylvanea, elle a toujours pas joué. Hein. Non, elle a toujours pas joué. Sylvanea. Est-ce que ça vaut le coup que j'utilise une ovation? Tu as dit engagé dans la zone, gagne la riposte. Ouais, c'est pas dégueu, hein. T'es engagé. Hein. Je suis pas considéré dans les alliés. Ah. Ah oui, donc il y aurait que Mavic qui gagnerait la riposte, pas d'intérêt. Pas pour l'instant. En vrai. Ouais, bah je vais taper celui que... Vas-y, hein. Tape, hein. Ça tape bien, hein. Là, ça attendrit, hein. Les coups de bouclier, hein. Ça fait la diff, hein. Là, tu peux avancer et engager le connard suivant si t'as envie. Hein. Parce qu'en plus, t'es comme moi, c'est-à-dire que je suppose que le point dépensé, c'est le point gratos. Hein? Ah oui, tu vas les attirer à toi? Ouais. Mais tu t'es pas engagé du coup. Ouais, mais j'ai pas l'engagement, moi. Putain, c'est ça quand même. Ah, t'as pas le truc de l'engagement qui te donne le point? Non. Ça. Du coup, tu vas prendre la sauce, hein. C'est toi qui vas prendre les flèches, je pense, hein. Y'a moyen. Bon, ça va. Oui, bah on a des boucliers, hein, donc ça va. On va survivre. Quoi? Pourquoi il m'a affiché la brûlure, lui? Il dit, comment ça, il m'a affiché la brûlure? Je sais pas, comme ça. Comme ça, Zinedine. Je vais rapprocher mes archers du groupe d'en bas. Ah, il y a une autre iris des neiges en bas. Au passage. Ok. Pendant que tu bouges tes gars, parce qu'il reste toi qui dois bouger des gars et des méchants, je vais aller chercher le dernier café. Non, le dernier. YouTube le café. Ah, pourquoi la caméra se lock? Des archers qui viennent se mettre au corps à corps. C'est quand même beau tout ça. Bon, alors voyons voir la gueule des renforts. Tu souffres ? Un nouveau round commence.
On est passé de 8 à 24 et demi. Ah. C'est un problème, ça. C'est surtout qu'il y en a où? Partout. Ok, un peu en bas, un peu par là. Ouais, ça va, ils sont un peu dispatch, ça aide un peu. Et ils sont un peu groupés, évidemment, sur le groupe, je vais dire, du capitaine. Ah oui, ils sont quand même bien arrivés par la droite, principalement. Et il y a encore un round où il va y avoir des trucs. Ah, Osdebard, il aurait aimé être à la place de Sylvana. Il y a trois archers autour de lui. Je peux aller engager un petit con en adorateur avec un coup de hache. Vas-y. Le prochain à jouer. Vas-y. On va pas le laisser jouer. On va le stay caché direct. Et du coup, tu l'as pas engagé, on récupère pas notre point. Merde. Ah ça. Merde. Je l'ai tué trop fort. Tu l'as tué trop fort et trop vite. Alors, le prochain à jouer, c'est... Un purgateur, il est loin. Ok, et celui d'après, c'est un zélote qui est en haut. Là, on peut choisir de faire des choses. Une tirailleuse, un tir là... Un tir bien placé. Place axe là. Je me mets là pour gagner loup solitaire. 10% de dégâts supplémentaires. Faudrait que je m'avance encore un peu. Ok. Ouais, c'est peu, hein. C'est pas mal quand même. C'est pas dégueulasse, hein. Une petite lance gratos ? Ouais. C'est toujours gratos. Ça scale sur la vie, hein. Le problème. Par contre, je me suis mis dangereusement à portée de tir, à portée de corps à corps du purgateur et de tout le monde en fait. Bah, le zélote il va te rentrer dedans. Ils vont pas pouvoir faire grand chose. Si on peut faire grand chose, je peux empêcher le gars de venir jusqu'à toi en allant embrouiller le mec qui a le saignement. Vas-y, va l'embrouiller. T'aurais pu passer par le feu pour gagner un peu de rage. Je peux aller tout droit. Ouais. Voilà. Gagne un je suis engagé, je peux le crever si on veut. Bah, crève-le, hein. Parce que du coup, j'ai la riposte et si je le crève, je gagne un peu de dégâts, je crois. Hein. Allez, crève. Ça, ouais. Tu crèves, ne bouge pas. Comme ça, le prochain qui va venir t'engager va se prendre une... Et glorieux, j'ai gagné même un point supplémentaire, parce que je suis légendaire. Ah, il s'engage pas le fils de pute si... Ah... Wow. Le nombre de bonus qu'il y a sur le capitaine. Le capitaine, il a une liste de bonus, ça veut rien dire. Attends, t'as les yeux dans le dos, toi. Ouais. Je vais envoyer un petit édénal... Finir celui que t'as au corps à corps. Attends, non. Non, non, attends, anticipe d'abord les autres dégâts. Non. Il y a un mec qui joue en bas, là. Si tu veux, je prends ma vie, que je le taunt au close, et puis on n'en parle plus, quoi. Tu le taunt. Attends, moi, j'ai un critique assuré, là, contre lui. Hein. Non, j'ai un dégât doublé. Avec qui lui. Avec Mélanine. Voilà, si tu penses que tu le nettoies, parce que t'as que 2 points hein, pour le nettoyer. Tu nettoies avec 2 points. Ouais, je le nettoie. Je le prends. Il y a quelqu'un que tu peux tabasser. Ah bah non, t'as désengagé tout le monde. Ouais. Attends, il a 81. Lui je termine. Je viens chercher la fureur ici. Hop, bon, même pas, j'ai mon pognon. Hop. Tac, c'est un petit point dans ta gueule. C'est joli. Et je n'ai plus rien à faire ici présentement, donc je vais. Ne nous ferme pas. Est-ce que toi, vérifie bien qu'on puisse bouger. Les deux. Ma vie peut bouger aussi. Vérifie qu'elle peut bien bouger. Ouais, c'est bon. Ma vie peut même pas bouger, elle peut galoper carrément. Ouais. Et ben, terminé. Le prochain à jouer, c'est le fanatique au beau milieu là. Fanatique, et j'ai peur qu'il frappe Stevie. Attends, non, il frappe tout le monde, donc Il faut le crever. Ou alors. Mettre un coup de lance dedans, ou l'embrouiller au close.
Ou alors, ouais, tu le... Je peux l'embrouiller au close. Ouais, embrouille-le au close, si tu Tout veux. Tout est faisable. Tout est réalisable, c'est le grand jeu de la vie. Je vais quand même plutôt l'embrouiller au close, parce que ça me paraît plus sûr. Il a encore une garde, ce con. Il a encore 23% de garde. Moi tomber sa garde. Bon, je crois qu'il va tomber tout court, monsieur. Oui, il tombe. Tu lui as mis la avec mes deux points, là. Hein. Bam. Oh là, c'est beau. Ce son. Avez-vous entendu le tocsin? Avez-vous entendu le tocsin sonner? Ah, il faut envie les trois archers, hein. Il faut envie les trois archers à casser la gueule. Y'a un mec, la légende raconte qu'il a un gros marteau. Y'a une légende sur un mec avec un gros marteau, je te dis que ça. Je vais juste, parce que moi c'est gratos, je vais embrouiller, c'est même pas gratos, excuse-moi, ça rapporte des points. Je vais embrouiller un gars, et je prends deux points. Et je l'affaiblis en plus. C'est pas beau? C'est le prochain à jouer d'ailleurs, le gars que t'es allé embrouiller. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Certes. Est-ce intéressant d'aller l'embrouiller avec ma vigue ou d'embrouiller un des archers comme ça? D'embrouiller un des archers. Bah, comme ça, je gagne gratos. Je gagne 2 points. Je fais gagner 2 points avec. De quoi tu parles? Non, attends. Avant de bouger quoi que ce soit, est-ce que le mec, moi je peux le taper aussi avec une lance, hein, je rappelle. Ah, et regagner des points au contact. Donc avant de bouger qui que ce soit, qu'est-ce que tu veux faire et qui que quoi donc? Exprime-toi. Je voulais frapper un des trois archers qui est au corps à corps de Silianea. Et ainsi gagner 2 points. Voilà, c'est tout. Pas plus de trucs. Ouais, donc en fait, elle prendrait des coups dans la gueule, ma vigue. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Alors que, pour l'instant, on peut juste aller pousser un connard. Je peux pousser un débilus. Parce que je considère encore à corps, je sais pas, je vais me mettre là. Avec un allié. Je pousse ce débile. Il a un petit peu mal aux côtes. Ouais. Mais ça va. Et je peux même le zoner, le fils de pute, hein. Bah vas-y, zone-le. Le problème... attends, fais voir son attaque. La range de son attaque, c'est bon. C'est bon, je le zone. Ouais, c'est bon. C'est zoné. L'abruti est zoné. Et tu peux plus jouer, si. Ah, il tape quand même. Il tape à distance, ouais. Il a pris 6 de rage, là. C'est une blague. Prochain à jouer, c'est un messager qui est paumé dans le trou du cul du monde. Celui d'après, c'est un fanatique qui ne touche... Qui touchera Taurus. Oui, forcément, ça a touché Taurus au bout d'un moment, mais ouais. Après, si t'as envie de jouer un os de barde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à taper avec os de barde? Bah, t'as un messager et un fanatique si tu joues. Si tu l'as, en fait. Bah, ouais, ils sont un peu méga loin. Hein. Oui, effectivement. Parce que là, je suis déjà mon mouvement à 24, donc je pourrais pas régénérer mon mouvement, on est d'accord, hein. Je suis déjà au max. C'est pas possible. Si, ça doit être faisable avec une course. Hein. Le problème, c'est que les deux mecs sont quand même un peu loin. Ouais, non, tente pas. Tu vois, c'est pas très intéressant. Après, dans les mecs qui vont jouer, il y a le coutelier, l'adorateur qui est sur ma vigue. Et Jean-Claude. Il y a celui, si tu veux les dégager. Ou taper dans le pack. Ou moi, juste me servir de Stivillon pour bouger l'adorateur. Qui va se prendre une attaque en contre du lieutenant Will et ça va le tuer. Et buter le purgateur. On peut faire ça. Okay. Voilà. Faire un certain nombre de trucs comme ça. Tac, ça vient ici. Tac, ça envoie. Hein. Bon, bah, il est pas mort. Ah, un point de dégâts. C'est pas grave. Un petit courroux. Bah ouais. 22. C'est dommage, le courroux était bien. Dégâts. Ouais, bah, je vais maintenir mon gars et puis ça va nous faire des points. Hein. Hop, un petit point. Enfin, ça régénère un petit point. Le messager qui est paumé. Ça y est, il est plus paumé, il a retrouvé la civilisation. Ah, bah voilà! Ah, voilà! Bah, vas-y, on discute! Je te laisse aller les taper. Ah, il y a une petite fleur aussi sur le chemin. Oui, c'est ce que je disais. Ah oui, le prochain qui va jouer va se taper
contre Taurus, ou alors il va essayer de taper mon mur. Non, Taurus. C'est le seul qui l'a à distance. Bon bah, ça dépop. Oui, surtout si tu fais des critiques. Sad. Putain, pourtant lui me disait que je l'ai tué. Hein. Après, je peux aller me coller aux clauses et les achever. Hein. Bah, fais. Fais, c'est toujours deux personnes en moins, ça nous fait du moral en plus. Puis ça va pas lui donner, tuer, là. Ça va lui donner de la bravoure. Hein. C'est pas tué, ça c'est overkill. Bon, c'est du détail, ça. 202. C'est broyer des gens, quoi. Broyer des crânes, briser de l'acier, je vois pas où est le problème. Il a perdu 26 de vie, sérieux? Enfin, ouais, il a vu un cuisinier, il a perdu de la vie, quoi. Il se frappe pour te casser la gueule. Il se booste en s'ouvrant les veines. Le fameux. C'est ça. Le martyr. Compétence à rajouter dans Heroic Chaos. Ça peut être sympa. Il y en a trois à nous qui jouons là. Alors. En bas, on a trois archers qui vont taper sur ma vie. Sur pas ma vie, mais sur Silianea. J'ai du mal avec ce nom. Ensuite, donc les deux prochains, c'est le messager. Après, c'est le messager. Après, c'est le messager ici. Qui va certainement taper un Taurus ou un mon mur. Moi, est-ce que je ne prendrais pas, genre, une petite coutelière? Je peux venir avec la course te casser la gueule de ton fanatique et enchaîner sur le messager. Avec qui? Avec qui tu veux faire quoi? Avec Sophia. Avec Sophia. Tu veux tabasser qui avec Sophia? Casser la gueule du fanatique, ou de l'adorateur. Ici. Mais... De l'adorateur sur le chemin, au passage. Quel adorateur? De qui tu tapes, là? Le prochain à jouer par le nord, c'est le messager qui est au nord. Par le nord, je suis d'accord. Non, mais d'accord. Mais est-ce que t'as regardé, c'est qui les deux prochains à jouer tout court? Oui, c'est les deux messagers. Mais comme on a trois personnages à jouer, je voulais voir et planifier un peu les points pour voir tout ça. Ah oui, t'es dans méga futur. Ça roule. Ouais. Donc, là, je vais juste en engager un au cac, genre celui qui a le plus de stats pour éviter de prendre trop de dégâts et ça nous générera 2 points pour Sophia plus tard. Oh là là, la Silianea, elle est en train de chanter « Ah, si j'avais un marteau à deux mains !» Mais, si j'avais une hache à deux mains, parce que elle ne porte que des haches. Oui, c'est vrai. Eh bien, je vais faire ça. Ah, super, j'ai fait le dégât minimum. Ok. Bon, je peux rien faire d'autre. T'es sérieux? Bah c'est oui. C'est un peu triste. Si, je peux donner l'inspiration à tes deux lanciers, la riposte à ma vigue, et inspiration à ma à Mélanine. Mélanine n'a pas encore joué? Si, elle a déjà joué. Bon bah, je vois pas trop l'utilité, pour l'instant. Pour l'instant. Autant garder, parce que bon, on a pas mal de points, autant garder les points là pour tes couteliers qui vont encore bouger quoi. Oh, la triple brûlure, elle était magnifique hein. Ouais. Touk touk touk. Après, il me faudrait l'inspiration avec elle. Est-ce que je joue maintenant? Est-ce que je fais un Edenal et qui va buter celui sur mon mur? Comme ça, mon mur, il en attire un. Ouais, je vais faire ça d'abord. En fait, ce qui est intéressant... Ouais, ok. Dégâts tripés sur ta gueule. Merci, au revoir. Comment ça devient rouge la neige devant le capitaine? Ouais. Ensuite, lequel n'a pas joué parmi ces pélos? Ça tâche un peu. On ne peut pas le voir. Il y en a aucun des trois qui a joué. Donc le fanatique. À savoir que lui, il joue bientôt. Si tu regardes, tu mets ton curseur dessus. Ouais, c'est lui, oui, mais c'est, lui, il va être tonqué par Sophia. Est-ce que j'achète? Non, mais ils vont tous venir sur le capitaine. Après, ta zone sur le capitaine, elle serait sexy, hein.
Parce que là, mais... là, ils vont tous y aller, hein, je pense. Hein. Ouais, mais là, c'est pas, le... c'est pas Zinlan qui joue, là. Ah, ok. Là, c'est Edenal. Ok. Voilà. Toujours une très bonne idée. Ralentissement, il ne tonquera donc pas le capitaine. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ce qui aurait été intéressant, c'est plutôt du coup le purgateur pour l'empêcher de venir taper tes archers. Maintenant, après, c'est vrai que ça te permettra d'avoir une zone plus réduite si le fanatique peut atteindre personne. C'est intéressant pour Zinlan. Glorieux en plus. Il génère donc 2 points. Formidable. Donc, je jouerai Sophia juste après. Mmh. Est-ce après, que j'entame SF. L'archer? Non, ça sert à rien. Tu iras le dégommer avec Sophia. Ouais. Enfin, je pense qu'avec Sophia tu peux l'atteindre. Après, je suis pas sûr. Je te dis ça. Est-ce que c'était bien utile? Oh oui, je sais pas de portée. Putain, c'est grave les dégâts. Essaye de couvrir le plus à gauche avec ta zone, hein. Ouais, il va falloir que je me... Attends. Non, t'as pas besoin de te repositionner, hein, t'es bon, je pense. Par là? Ouais, comme ça, ouais. Exactement. Non, non, un peu plus à gauche. Ouais, parce qu'en fait, la roche va l'obliger à passer à côté. Voilà, et qu'il faut bien couvrir tes archers au cas où il déciderait de foncer tout droit sur tes archers. Mmh. Lui, wow. Il m'inflige un 5. 5 dégâts! Et pour un archer sur une armure lourde, c'est très beau. Hein. Mmh. Lui, il va tirer sur lui, Will. Ce qui fait chier. Bon, ça va. Par contre, une deuxième flèche, ça va faire chier. Mais bon. Ouais, et là, ça va être triplé. Alors. Ouf. Là, il y a du monde qui joue. Là, il y a du monde qui joue. Là, il y a tout le reste qui joue. Tout le reste qui joue. Ce qui veut dire quand même qu'on a une bonne vitesse de jeu, hein. On a une bonne initiative. Il se passe des trucs. Bon, il y en a 2 qui vont tomber sur Anse de Barthes, ça c'est sûr. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait le plus mal? Un couteau dans ton dos ou un archer qui essaie de tomber sur une armure lourde? Bah forcément un couteau dans le dos. Ouais, donc on va aller taper le couteau dans le dos. Mais Taurus, c'est pas une armure lourde, hein. Mais bah encore plus de raisons d'aller... Taper ce connard. Ouais, c'est un intermédiaire, hein, le cuistot. Ouais, oh, il a une armure en jambon. C'est volumineux, mais ça défend pas beaucoup. Grosse armure en jambon, mon gars. 168, c'est acceptable. C'est acceptable et accepté. On peut les tuer, voilà. Soit lui. Le messager, c'est le plus important, je pense. Hein. Faut l'empêcher de tirer. Sinon, il va faire mal aux gens. Le problème, c'est que j'ai plus rien pour m'engager contre lui. Contre. Ah oui, bah c'est pas grave, bah tabasse le fanatique alors. Bon bah voilà. C'est tabassé, monsieur. Ah, attends, je peux m'engager maintenant. Engagez-vous, qui disait. Bon, ça va coûter. Ah, du coup, t'as régénéré un coup de couteau. Ouais. Elle fait mal, hein. Elle fait un peu mal, hein. Elle fait un peu très mal. Mais arrête de le bolosser, wesh. De lui faire mal. Bon bah d'accord. Okay. J'ai arrêté de le bolosser. Voilà. Lui n'atteint personne, je vais me mettre à côté de mon mec. Ouais, c'est ça, dans un coin où on peut pas te taper. Voilà. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît très bien même. Une flèche pour qui? Une flèche pour... Will. Oh, volonté. Will. Un PV. Trop puissant, trop de volonté. C'est le Führer leader commandeur de cette troupe après tout. Hein, qu'est-ce que c'est? On en a quand même tombé 12 en un tour. Hein. Ouais. Ouais, on a été beau. Et là, ce qui me fait peur, c'est que les mecs n'ont pas peur, justement. Ouais, ça c'est honteux, tu vois. Vraiment, dans le jeu, je trouve que la gestion de la volonté, elle est sur les PNJ, elle est un peu à pisser, quoi. Ouf. J'adore ta parade. Pardon, 11. 13. Ouais. 13 kills. 13. Lui, il est aux fraises. On a 2 doigts de dire, le tour n'est pas fini. Hein. Attention, un critique à n'importe quel moment. Ah, ça, il a été intelligent, lui. Il s'est dit, attends, il s'est pris une flèche, je vais gérer, et... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la zone, le gars. Le gars, il est arrivé, il a fait, là, il y a du sang, il y a beaucoup de sang, quand même, je vais m'arrêter là, Lui, il en a rien à battre. Ah, l'enculé. Ah, il était malin. Ah oui, pour torcher les deux.
Ah, il a rebougé. Eh ben, on a fait 14 kills en un tour. 14 kills en un tour. Et là, j'ai envie de dire, c'est fini. Des renforts ennemis arrivent. 26, quoi. Toujours plus, quoi. 16. Non, mais au secours. Mais comment... Mais... Eh, mais plus jamais on... Là, je ne veux plus rien entendre. On ne vole plus rien. On ne fait plus rien de illégal. J'en ai marre de tomber sur des gardes. Le premier à attaquer, c'est le mec qui va taper sur mon mur. Donc ça, c'est pas trop un problème. Si toi, t'as des trucs à jouer... Non, il va pas aller taper sur mon mur. Ah, il va aller taper sur tes archers. C'est pour ça que j'allais dire, si t'as un archer à jouer, à dégager, pour aller prendre par exemple l'iris des neiges et enlever tes flammes, genre qu'il en soigne un... Ah oui, mais non, parce que de toute façon, il faut que tes archers bougent. T'as rien pour le bouger, le clouer, le ralentir encore, ce con ? Si, totalement. Ouais, voilà, parce que j'allais dire... dans ces cas... En fait, l'idée, c'est que t'arrives à te débarrasser des flammes avec tes deux gars. Ouais, bah c'est... Que donc, c'est tu tapes une iris des neiges, elle est là, enfin voilà. Ça te rend des PV éventuels. Gratos. Mais par contre, il a pas bougé, ce con. C'est sur un critique que ça bouge. Là, je soigne. Et je vais chercher l'iris. Oh, joli. Joli. Joli tour. Très joli tour. Très très joli tour. Là, en plus, l'autre connard, il va revenir à la charge, il va se manger la zone de mon mur. Enfin, la zone qui est sur mon mur, là, de Zinem. Ouais. Il va payer. Ah, il a pas besoin de venir au close pour taper avec son épée. Putain, il tape à 2 mètres. L'enfoiré. Ah, l'enculé. Prochain jouet, c'est le purgateur sur ma vigue. Et après, c'est celui qui est en bas vers Silianea. Que je vais aller ponquer peut-être. Sinon, je peux faire les deux. Eh ben, vas-y, je te laisse faire. Je cours le premier. Vas-y. Je le cours un peu fort. Et je vais engager ce con. Vas-y. Parfait. Lance de barde, il y a du boulot pour toi. Oh, j'adore ce son. Et je peux même leur mettre un choc affaiblissant. Et il tombe mid-life. Ouais, ok, je vais essayer. Ce qui facilite le meurtre après. Nous n'avons plus de points. Ouais. C'est pour ça que dès qu'on peut jouer les lieutenants, faut jouer les lieutenants. Ce qui donne du point. Je te dirais qu'il y a un des lieutenants qui va devoir se casser très très vite. Parce que dès qu'il y a un archer qui va jouer, il va mourir. Ouais. Bah là pour l'instant, il y a des zélotes qui jouent loin. Ouais. De l'adorateur d'ailleurs, un petit peu loin, ou au pire ça va sur le capitaine, il peut tenir encore. Par contre, je vais pas tenir le messager, hein, je te le dis tout de suite, avec mon capitaine, le messager, je vais jamais le tenir. Hein, parce que là, ça a l'air de rien, mais capitaine solo contre le reste du monde. Pour l'instant, ouais. Je peux faire l'aggro, si tu veux, mais ça va pas pouvoir tenir comme ça éternellement. Hein. Le messager, il joue quand ? Will avec son 1 PV. Will avec son 1 PV, il peut pas faire 50 trucs. Il peut pas faire 50 trucs, Will. Hein. Je peux aller nous récupérer un point si tu veux. Pour le moment, sur le purgateur. Avec Mélanine. Sur le purgateur. Ouais, je vais buter le purgateur, quoi. 50 PV avec Mélanine, ça nous fera un point. Ah, tu peux. Ouais, mais tu peux tuer que lui, c'est ça qui est triste. Ah, alors c'est ça qui est triste. Si je bouge Stivian, je peux dégager le messager. Mm-hmm. Et me mettre à côté de ma vigue pour éviter de prendre le feu de Silianea et nous régénérer un ou deux points. Je sais plus si j'ai encore l'ordre sur moi. J'ai non. Pas l'ordre. Et non, pas l'ordre. Mais ça se fait, tu vois. Je me cale ici. Je pousse un gars. Je peux me mettre là, je pousse un gars en tapant dedans. Ouais, tu peux même le buter, le purgateur, normalement. Je sais pas. Le purgateur, non, je vais éviter parce que toi, tu génères des points en tuant des gens. C'est vrai. Donc l'idée c'est que toi tu butes les gens. Hop, moi je le pousse. Bon d'accord, je l'ai poussé un peu fort. je l'ai poussé un peu fort et l'idée c'est de me rapatrier par là. Et de donner un point. Je ferai pas beaucoup plus, mais j'en donne un.
Ensuite, il y a le purgateur sur Taurus qui va aller. Ok. Est-ce que tu veux que j'embrouille des gens en close avec Taurus? Je peux payer un point pour engager le gars et me faire rembourser mon point. Vas-y. Sauf si je le one-shot, dans ce cas on est très content. Mais là, 250, je me vois pas les one-shot. Hein. Vas-y. Ok, ça part. Voilà, c'est engagé. T'en étais pas loin. C'est gratuit. On veut plaisir. Je peux le courroux. Hein. Je peux le courroux saquer. Hein. C'est très tentant. Si je sais pas si ça vaut le coup. Si, ouais, ça fait des dégâts en moins. Bah, c'est surtout que ouais, ça fait des coups en moins dans ma gueule. Et vas-y, vas-y. Si je me fais engager par quelqu'un d'autre, bah du coup, j'aurai un point. Désolé, j'ai mangé le point, mais par contre, je vais revenir faire barrière. Ici, pour empêcher qu'on vienne t'embrouiller toi au corps à corps et bénéficier du meilleur ami. Alors, là, maintenant, la question est... Il y a un adorateur qui joue juste à côté et qui peut aller chercher... Le capitaine. Mon mur. Il peut aller chercher mon mur, il peut aller chercher tes archers, il peut aller chercher tout le monde. Par contre, le problème, c'est que s'il va chercher mon mur, sauf s'il attaque à distance, il a un truc de distance, là ? Ouais, il a un couteau à 6 mètres. Et je surtout, pense pas y a que c'est son couteau qui va me tuer. Mais il y a le messager qui joue juste derrière. Ouais, s'il veut me taper, il décède. Hein. Parce qu'il va... Enfin, il rentre dans ta zone, il se fait taper sur la tronche, il va se passer des sales trucs. Mon mur a joué ou pas ? Mon mur, non. Mon mur, il attend que tous les gens du sud viennent lui taper sur la gueule. Faut le jouer. Tu vois, quand il y aura un zélote qui sera venu m'embrouiller ou un fanatique en plus, là, je jouerai. Pour l'instant... Là, le problème, c'est que t'es mort, en fait. Non. Si, tu les prends, les 37 points de dégâts dans la gueule. Hein. À cause de... Tu parles de qui ? Excuse-moi, merde, putain, mon mur. Les 37 points de dégâts... Ah oui, mais 24 à 45, ouais. Ouais, c'est vrai que ça peut me tuer. Ça peut me tuer. Mais c'est un pari que je prends. Hein. Ouais, mais moi je ne le prends pas. Il y a le messager qui va te tirer dessus. Dégâts triplés. Ah, mais moi je suis d'accord que si avec Sophia tu peux le malmener, le monsieur, let's go. J'ai pas de points. T'as pas de points. Ok, tu peux pas le malmener. Bon, bah écoute. Tu veux que j'engage un connard là avec le capitaine, je lui fais des choses. Non, je veux que tu te casses. Pars en arrière. Attends, je fais 93 dégâts avec ma lame, hein, fixe. Hein. Eh bah vas-y. C'est, j'arrive là, je vais voir le monsieur. Je mets 93 dégâts. Un truc tu comme l'as ça, pas tu vois. Je mets que 93. J'ai pris 2 points de bravoure. Et je me transforme en méga mobilette. Je me casse à l'autre bout du jeu. Ouais. Est-ce que je me casse aussi loin ou est-ce que je renforce cette équipe? Là. Loin derrière Zinlan, s'il te plaît. Ah ouais, carrément. Ouais, vaut mieux. Non, mais sinon, je me remets en mid. Hein. Il y avait pas une autre plante quelque part ? Si, vers le bas, vers l'autre gros. Ouais, mais moi, je suis un connard qui peut marcher dans les flammes, je m'en fous. Ouais. Mais fais attention, hein. Il y a quand même un archer, il y a quand même un fanatique qui n'a pas encore joué. Il y a pas d'archer dans le sud, je crois. Faut pas que t'ailles plus loin que là. Hein. Parce que le fanatique là, il là te touche. Là, on est bon ? Ouais, là, c'est bon. Ok. Sûr ? Sûr. Allez, j'y vais. J'ai vérifié, le purgateur, ouais... Comme ça, ouais. Je peux aider l'autre gros tas, et au pire, je peux prendre l'iris des neiges. Ouais, c'est faisable, ça. Donc, vas-y. C'est validé. Là, elle va venir... Bah, il va venir taper toi. Sophia. Commande d'armure. Itaouas. Et je suis... Par contre, c'est normal, les 95 coups de couteau. Non, on est d'accord. Moi, je t'ai vraiment vu prendre 95 coups de couteau là, j'ai pas compris. Et tu Attends, subis des flammes, c'est-à-dire que si on te soigne pas des flammes, quand tu vas jouer ton perso, tu vas mourir ? Hystérie, recommence pour chaque. Inflige 49 à 65 points de dégâts à la cible. Recommence pour chaque bonus appliqué sur la cible. Quelle enflure ! J'ai combien de bonus ? 1, 2, 3, 4, 5. Il m'a mis 6 coups de couteau. Ah ouais, ils sont hyper forts du coup. Putain, c'est son arme qui lui donne ça ? Ouais. Elle est trop fat son arme. On n'a pas de points. Qui est le prochain qui joue de ce côté-là ? Lui, il est à Shai.
Lui, il est sur House de Barn. On va se concentrer sur le sud, là. On va se concentrer méchamment sur le sud. Il va falloir générer des points. J'ai Will qui a pas encore joué. J'ai... Oui, mais Will, il va s'écarter très très loin sous peine de mourir, donc... Mélanine, est-ce que t'es capable de faire un moins 50 dans le dos avec un coup de torche? Théoriquement, oui. Je suis pas partisan de m'enfuir avec Will. Parce que... Je peux donner un point, petit 1, qui peut faire la différence. Et petit 2, je peux mettre un coup de lance qui peut aussi détendre des gens. Ouais. Ce qui ouais, donc permettrait ouais, à Mélanine ouais, de faire un carton. Vas-y, je te laisse jouer ton lieutenant Will comme tu le sens alors. Eh bien, je vais viander ici. Au milieu du crew. Je prends la brutalité, je supporte tout le monde. Est-ce que je dégage lui? Est-ce que je dégage lui? Je dégage ça. Dommage, pas de crit. Et ah, je peux pas finir là-bas. Y a pas de lancier dans le sud. Ah oui, mais je sais plus. Lui, il a pas joué. Le purgateur là. Il y a un des deux purgateurs qui a pas joué, je crois. Celui-là. De toute façon, le purgateur, celui-là, je crois qu'il a pas joué. Non. Ouais. Tant pis, c'était le pari risqué. Je donne mon point. Et après je meurs. Tel un lancier. Oh le bâtard. Ça va. Merci d'avoir joué. Il était très aimable ce monsieur. De s'approcher. Lui, il est à Shai. Lui, il est hors combat. Lui, il est au corps à corps. Au corps à corps contre le boss. Et c'est lui qui joue le prochain. Ouais, bon. Le purgateur tout en bas. Bon là, Mélanine, faut qu'elle transforme l'essai. Enfin, faut que tu utilises tes deux personnages pour transformer l'essai. Alors, est-ce que Mélanine, tu vas pas faire une succession de meurtres avec elle? Attends, laisse-moi réfléchir. Ok. Évidemment, tu ne vises pas le bon. Je te déteste le jeu. Et ben... Meurtre, hein. Kourou, récupération de points. Meurtre. Ensuite, on va ponquer l'archer que tu as déjà entamé. La question, c'est lequel? Non, il va falloir ponquer celui qui est enflammé encore. Parce que sinon, Sylianea ne pourra pas bouger. Putain, je fais pas de critique. Je t'emmerde. Oh, j'ai pas fait un seul coup de critique. Ouais, c'est pas grave, ouais. Il est aggro au moins. Au moins il est aggro. C'est au déjà moins, ça. Il est aggro. C'est déjà ça, ouais. Il va mettre un moins 5. Tilianea, est-ce que tu peux aller le tanker? Oui, tu peux aller le tanker large. Ce qui m'embête, c'est que Will va être... Exposé aux deux archers. Opposé aux deux archers. Est-ce que je prends pari que le purgateur va aller taper ma vie, bêtement? Le purgateur, il a pas d'attaque de groupe. Si, ah si, allonge de force. Non, non, c'est une allonge. Ah oui, en c'est gros, de l'allonge. Je pense qu'il va soit taper Mavic, soit Stevie. Je pense pas qu'il va aller chercher Will au milieu. Ok, il faut que j'aille tanker. Je pense qu'il faut mieux arrêter un archer. Et idéalement, il faut se positionner pour gêner l'autre archer. Donc là, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Oh, elle fait rien. C'est dommage. Hein. Tellement de potentiel dans ce perso. Et je ne peux pas frapper avec le Kourou, c'est pas le bon. Sad. Sauf si tu souhaites désengager et Kourou, c'est l'autre.
Je pouvais pas. Enfin, si je fais tellement peu de dégâts que je sais pas si c'était très intéressant. Ouais. Et il va falloir soigner Sophia. Faut donc 2 points. Putain, c'est fait. OS Noras, hein. Il n'y a pas que Sophia qu'il faut aller soigner. Alors. Edenal. Edenal, en sachant que ce purgateur là n'a pas joué, hein. On peut même pas aller prendre des risques, hein. Ouais. Je pourrais le repousser, mais ça dépenserait un point. Ouais, mais c'est pas dégueu, parce que malheureusement, s'il décide d'aller taper sur Sophia ou Taurus ou les deux en même temps parce qu'il a que ça à foutre, il est tué. Hein. Ouais, sachant que Sophia est morte. Putain, ouais, Sophia est morte. Taurus est mort aussi, hein. Les deux sont morts. Hein. Non, ouais. Attends. Il y en a un sur lequel on peut compter. Il y a Osdebard pas loin. Ah si, Osdebard il est loin, hein. Il est dans le sud. Hein. Ouais, mais 24 mètres, il l'est fait, hein. Oh, tu avec penses là? Avec 2 points, oui. Avec 2 points, il est fait. Il te faut 2 points. Il te faut 2 points. Que déjà. Il me faut plus que 2 points là. Parce qu'il va falloir courir à travers les effectifs ennemis. Hein. Il faut que je me. Faut que je me désengage. Que je me déplace sur 24 mètres. Que je cours à travers les effectifs. À travers le gars là, le fanatique, et que je soigne 2 personnes. Ouais. Ou une. Faudrait donc 3 points. Parce que si tu soignes Sophia, moi Sophia elle peut soigner Taurus derrière. Sauf que je peux plus bouger et t'es emprisonné, hein, avec. Ah putain, ouais, non, c'est mort. T'es pas emprisonné parce que si j'arrive à passer, après je peux toujours taper de base et donc m'engager. Et tu récupères un point. Donc tu peux sortir. Mais c'est cramé de toute façon, on n'a pas assez de points. Ah putain. Donc non, t'es obligé de te tirer de là avec tes gars. Buter un messager si tu veux. Ralentir un purgateur, faire comme tu veux, comme tu le sens tu. Oh les gardes, je te jure. Il aurait peut-être fallu mieux que tu pousses l'autre. Ou un truc comme ça, que tu bouges pas de là où t'es. Parce qu'en fait, là, tu viens de prendre des points de meurtre que Zinlen aurait pu utiliser. Que Zinlen aurait pu nous rapporter. C'était même pas dit qu'il le tue, Zinlen. J'ai vérifié. Ok. Bon, là, je vais me faire taper. Ouais. Voilà. C'est passionnant. Super. Trop bien. Ouais, je suis dur comme une enclume. Pas de problème, hein. Chiant, hein. Là, on a un problème d'un mec qui est pas engagé au close, un autre gars qui est engagé au close. Lui, il est où? Ah ouais, là, ça va être. Ok, ça va être décisif ici aussi. Ça va. Il va se passer des choses. Après, bah, c'est l'un de nos deux persos qui meurt. Et ensuite, un messager qui tuera sûrement l'autre perso. Bon, bah voilà. Je sais pas ce que t'as à jouer, toi, encore. J'ai Zinlen. Ok. Et Zinlen et Sophie. Sophie, en sachant que Sophia, tu peux pas la jouer. Voilà. Sinon, elle meurt. Putain, les gardes 6 étoiles, c'est beaucoup trop dur. Zinlen n'a pas le déplacement pour aller soigner Sophia. Non. Il n'a pas les dégâts pour faire tomber quelqu'un. Ouais. Ouais. On peut toujours tenter de fuir, hein. Retraite, hein. Ouais, ça se fait. Vas-y. Retraite, hein. Allez. Ouais. Ouf. Okay. Heureusement, on a une petite pause au campement qui nous a mis bien... Oh la gueule! La gueule du groupe! Ouais. Ouais. Ça souffre, hein? Faut pouvoir soigner ouais, tout ouais, ça. Ouais, on souffre. Le mieux c'est d'aller en ville. Hein. Moins 14, manque de nourriture, solde impayé à vos compagnons, ok. Soit on va en ville. Mais ils sont plus dehors au moins, les gars? Normalement non, enfin j'espère, parce que si c'est le cas c'est abusé.
Oh putain. Ils sont encore là. Okay. Non, 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 va pas dans leur direction là. Viens vers Wame, viens vers moi, tranquille. Tranquille. Là, là, il y a un truc, il y a un patelin là. Bergerie de Père Glorieux. Allez, on y va. Il faut lourder 360 billets. Don't you recognize me? Oh, c'est quoi ça? I'm Ezold. Father, tell them. Isolde de la Rousse. By Saint Elior, please, father, it's me. Isolde de la Brune. What? On est où là? I don't know. I can't think straight. Quoi? Alors, bizarre. On va pas leur parler tout de suite, nous on s'en fout. Hein. Il n'y a rien dans ce coffre. Ah non, non, mais attends, attends, c'est une enquête. Clique pas partout, c'est une enquête. Au mieux, tiens, on peut se récupérer un peu de bois si on veut pour le fun. Ça fera toujours un pex ou deux. Voilà. Ouais, la game où on se fait casser la gueule. Eh, mais notre. Ah, on a souffert. Notre. Il faut trouver un moyen de. Déjà, il faudrait qu'on répare notre merdier. Est-ce qu'on peut pas faire ça, genre maintenant, tout de suite, là, non? Non, il va falloir qu'on sorte d'ici, on va pas pouvoir dormir, c'est ça? Ok, parce que ça, c'est une énigme, c'est une enquête. Moi, je propose, on sort de là. On sort de là. On va derrière, là, on pose le camp, là, juste là, là. On se casse, là. Voilà. Il y a des gardes en bas ou quoi? Oh putain, c'est un boss final. Ah, c'est un boss. On peut descendre là et aller faire le camp sans se faire agresser par le boss? Normalement, les boss agressent pas. Hein. Ils agressent pas? Eh bah tiens, allez hop, le petit piton là. Le Monty Python. Ah, pourquoi ils veulent plus me mettre des Monty Python? Oh les petits bâtards. Mets-moi un Monty Python. Hein. Ah, il veut bien ici. Mange-toi. Ça a l'air dégueulasse. Tiens, allez hop. Voilà, c'est bon. On est bon. Oh, regarde. Oh, regarde un minerai légendaire. Ça, c'est mon cadeau. On s'est mis dans le trou du cul du monde. Alors là, qu'on vienne pas nous agresser. Hein. On est vraiment le trou de balle de l'univers. Waouh. Alors. Oh la gueule. On a un hôtel de l'œil. On donne un bonus aléatoire jusqu'au prochain repos. Ah, bah, je vais mettre quelqu'un. Déjà un niveau 10. Via les dénales de là. Y a pas des gens qui doivent passer de niveau 9 à 10 là? Zinlen a un niveau de retard, ouais. Ouais, bah Zinlen, faudrait qu'il s'y mette. Et Taurus aussi a un niveau de retard au passage. Et Mélanine aussi. Voilà. Selon que. Est-ce qu'on en profiterait pas pour soigner? Moi, il me reste un remède. Moi, je soignerais bien quelqu'un. J'ai plus de remède. Ah, je vais donc soigner le capitaine. Voilà. Le plus beau. Ouais, c'est vraiment parce qu'il fallait faire un choix. Je vais réparer le capitaine. Répare. Est-ce que je peux faire une civière améliorée? Ah, pour mettre des gens dessus là? Ouais, pour le repos, ouais. Une blessure est soignée pendant le repos. Ah, ouais, 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 c'est peut-être le moment. Hein. Non, il va falloir aller chercher dans un point de connaissance. Après, on le récupère juste après. Donc ouais, ouais, vas-y, vas-y, hein, clairement, hein, te gêne pas. De toute façon, là, là, il y en a besoin. On est cassé de partout, on a des blessés, on a des morts. On a un peu tout ce qui traîne, quoi. La civière. J'avais pas un mec qui était en train de. Y'avait pas un gars sur le séchoir à viande? Si, c'est moi qui. Tyrayose. Mais j'ai basculé Zinlen sur le mannequin d'entraînement. Tyrayose, comme elle est aussi. Non mais t'inquiète, je vais mettre As de Barde dessus, ok. Ouais. TKT, de toute façon je vais mettre personne autour du feu de camp, je vais en mettre un sur la civière. Il reste une place, je mets une barde dessus, je mets un barde sur la civière ou quoi? Ouais, après les blessures pour le moment, c'est de tout ce que je vois, c'est ne peut pas être choisi pour effectuer une activité. Donc il peut pas être choisi pour faire un... Bah écoute, je mets des gens au repos sur la blessure, voilà, c'est bon, la civière est pleine. Zinlen, volonté réduite de moitié. Constitution réduite pour... Okay. Non, mais ça sert à rien de regarder. Faut soigner le truc, point. Ouais. Point. Point barre, on peut rien faire si on soigne pas, quoi. Attends. Objection, votre horreur.
Je peux peut-être faire la civière niveau supérieur. Est-ce que ça vaut le coup? Là, oui. Ah. De toute façon, vu l'état de... Okay. Une troisième personne sur la civière, il n'y a pas à discuter, quoi. Ah, c'est pas une troisième personne sur la civière, du coup. C'est quoi? Il gagne l'effet drogué. Quoi? C'est moins bien. Le statut de drogué. Mais pourquoi c'est... Attends, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Quoi je l'intérêt? Pourquoi ben, ça vaut... Je sais pas. C'est quoi l'intérêt? Bah ça vaut 200 et il faut qu'on lâche 380. Ah, c'est un bonus drogué. Okay. Ouais, c'est un statut de drogué. Ok. J'imagine bon, que ça te rend... Ouais, vas-y. Ouais, je pense que c'est mal traduit. Ça veut dire sous médicament peut-être. Mal traduit ouais, peut-être. Bon, vas-y, je le prends. Ouais, vas-y, vas-y. Hein. Améliore la cive. Remets les gars dedans, là. Je crois qu'on a perdu un gars, non? Non, ils sont dedans. Ah, les deux sont dedans, excusez-moi. On verra ce que dedans. Ça fait et on peut pas mettre trois gars là-dessus? Non. Non, deux. Non, non. Ok. Ok, ça marche. Ok, bon. On va se retaper avec un cuistot. Hein. Cuistot. Fais-nous. On va pas aller chercher très très loin. On va aller chercher du plat un peu basique. Hein. L'idée, c'est de retaper les effectifs. Il va manquer de l'argent. Hein. Il va manquer. Ah ouais? Ouais, il manque de l'argent. Merde. Ça, c'est pas bon. Ça, un cassage de cul plus l'argent qui manque. C'était vraiment les sales bails aujourd'hui. C'était vraiment la brutalité. Ouais, je mets une petite bière quand même. Vas-y. Une petite bière, les gars. Mets des trucs qui augmentent le bonheur, hein. En vrai, gaffe-toi. Non, on est bon, hein. On est à 13, hein. On est cool, hein. Ouais, on va avoir moins 5, hein. Moins 4, on est à moins 4. Ça va. Okay. Tranquille, je veux pas non plus saouler le crew. Alors attends, si, je peux nous mettre une petite infusion de chanvre, à la limite. Ouais. Une petite infusion de chanvre, y'a pas un petit truc qui donne genre un petit peu, genre c'est sympa quoi, genre on aime bien. T'as mis un bout de feu ou pas là? Ouais, j'ai mis une bûche, Est-ce qu'on peut mettre plus de bûches? Ouais, non, bon, c'est pas d'intérêt. J'ai rien d'autre qui donne. Bon, allez, et une petite gnôle en plus, y'a deux gnôles. Vas-y. Voilà. C'est vraiment pour le bonheur que je les ai rajoutés. Par contre, vu que j'ai rajouté ça pour le bonheur, on peut peut-être virer cette merde. Voilà, on économise un peu. Attends, on a peut-être des repas qui donnent... J'en ai pas un qui donne du bonheur là-dedans. J'ai rien du tout. À part le gros repas, on va peut-être pas claquer ça. J'ai rien pour le bonheur. Hein. Triste. J'ai des picoles qui donnent 2 de bonheur, mais bon. Moins 4, c'est supportable. Ouais, on est à 13 hein, seulement. Hein. C'est supportable. Franchement, pour une première nuitée dans la douleur... Ah, on a quand même eu un plus. Blondine et Georges Clooney. Oh, ils sont potes, c'est beau. On est passé à 14, on a gagné 1, alors. C'est pas beau. Ouais. Votre connaissance du monde a augmenté. Ah oui, parce que les meilleurs avis sont assignés au même outil de camp. Ouais, ça c'est cool, ça. Alors, okay. Lieutenant... Ok, et je peux remettre déjà 2 gars autour... alors, j'ai 2 gars de dispo, là, qui sont retapés. Enfin, faut les réparer, mais... C'est quoi le statut, du coup, drogué? Merde, je vais retirer son armure, cet abruti. Je voulais réparer l'armure aussi. Ok, on a un os de barde qui est prêt pour le combat, globalement. Quoi? Il y a un truc qui est pété? Qu'est-ce qu'il y a encore à réparer? Ah bah, son armure n'est pas entièrement réparée, évidemment. Bon, j'ai plus de matériaux bruts. Peut-être falloir songer à mettre quelqu'un à fabriquer des matériaux bruts. C'est déjà le cas. J'en ai 16, je te les envoie. Attends, lieutenant, oui, il y a des choses à nous dire. Ouais, mais je les mets dans le... D'abord, c'est toi qui a les persos le plus important à réparer. Comment ça? Bah, c'est tous les tanks, toi, monsieur, c'est ça. T'en as un, quand même, hein. Mais ouais, ok. Je vais réparer déjà surtout ceux qui sont en bon état, parce que ceux qui sont en moitié morts, ça sert à rien. Hein. Donc lui, c'est bon, et lui, ok, on répare. Ah, il lui manque un renfort sur son armure, lui, d'ailleurs. Ouais, je vais redéplacer Sophia qui était là, et je vais mettre... Le capitaine a été réparé. Je t'aurais bien mis... bon, attends, je peux mettre Will, ici, là, à l'entraînement, puisqu'il est niveau 9. Dans la tente, je remplace, je te mets Steve et Os de Bard. Parfait. On est bien. Elle est où, Mavig? Mavig, on va la remettre au bonheur. Ouais. En avant, compagnon.
Ah oui, par contre, ça, on va déplacer sa souche d'arbre. Parce que c'est pourri. C'est chiant. Bah non, c'est surtout que maintenant, vu qu'on a la civière qui a grossi en termes de volume, c'est un peu moins. Attends, je peux mettre ça comme ça plutôt. Ah ouais, ça a l'air rigolo comme ça. C'était lesquels qui étaient sur. Le feu de camp? Non, la civière. Je vois pas le truc drogué. Ah, c'était Stevie Ann et Os de Bard. Ah ouais, bah ils l'ont pas le statut. Hein. Ah, attends. Unité saine assignée. Ah, c'est si elle est assignée, ok. C'est une unité saine, si elle est assignée, elle gagne le statut drogué. Et j'imagine que. Ah, si on laisse dormir des gens sur la civière alors qu'ils sont en pleine forme, y a, ok, ouais. Ils gagnent un truc. J'imagine que ça les empêche de se prendre une blessure ou une connerie du genre. Du coup, tu me bricoles Sophia et Zinlen, c'est ça? Ouais. Okay. Mais attends, il nous manque quelqu'un sur le mannequin d'entraînement. Tu veux pas mettre Mélanie sur le mannequin d'entraînement? Mélanie, non. Jamais. Jamais? Parce qu'elle est niveau 9 un jour. Je vais prendre le capitaine. Je vais mettre le capitaine dessus, je m'en bats les couilles. J'ai pas prévu de me faire... j'ai pas prévu de me faire attaquer là sur ce campement. Donc je vais mettre le capitaine, parce que c'est de l'XP perdu, on a un mannequin. Je prends l'XP. Ouais, non mais... Je suis complètement d'accord. On refait tourner notre cuistot? Hein? Vas-y. Cuistot, il fait tourner les serviettes? Vas-y, vas-y. Hop, on se fait péter une bûche. On va reprendre des points de bravoure supplémentaires. On va se remettre... Je crois que j'ai une bière. On va se remettre une bière. On va se remettre de la poiscaille, là. La poiscaille nulle. Tout ça, c'est pas cuisiné. Ça sera cuisiné un jour, la légende raconte. Ça, c'est le repas une étoile. Ça, c'est le repas une étoile aussi, mais qui sont pas empilés. Pourquoi? Parce que... Parce que le jeu, il avait pas envie. Parce que le jeu, il avait genre juste méga la flemme. 47. 47. Un stécos. Un poisson. Non, c'est un poisson de trop. Fire-moi ce poisson. Une autre picole. Non, une infusion. L'infusion, ça donne beaucoup. Ah, ça donne 6 de bouffe. Intéressant. Et bah, du coup, un pignon. Voilà. Voilà, on se repose. Ah mais j'ai oublié de faire Will. On a oublié de parler de Will. Ça y est, on est au niveau à 15 de bonheur. Hein. Pourquoi t'on battu en retraite par la barbe de Saint Machin? On perd un point, on gagne 3 pains. Soit on perd des relations, soit on perd des relations avec des compagnons. Non, non, mais vas-y, donne du pain, ma gueule. Hein. Donne ouais. Du pain. Voilà. Sophia. Oh capitaine est monté d'un niveau. Pas mal. Sophia, je vais la mettre à... On me propose d'augmenter les critiques du capitaine. Chance de crit du capitaine. Qu'est-ce qu'on en pense? Edenal, si tu veux mettre un autre gars au... sur ta civière. Après, je peux mettre... Est-ce que j'augmente le crit de mon capitaine, qui est déjà quand même 33%, une chance sur 3 d'infliger un crit? Mais on propose de l'augmenter gratos, ou je bourse sa force? Sa force, t'as un truc pour mettre de... Si le mec a pas de garde, t'as un truc pour lui... En fait, ton capitaine, pour moi, c'est quelqu'un qui va ponquer les armures légères ou intermédiaires pour leur enlever la garde rapidement et les défoncer. En fait, ton capitaine, c'est plus le mec qui va chercher justement les... C'est un les, peu un les DPS, quoi. C'est un DPS, ouais, ouais, chercher... mais comme Taurus, hein. C'est à peu près le même gabarit. Hein. C'est deux classes différentes, mais ça peut pas... Les deux tanks qu'on a, c'est Mavig et Sylianea. Lorsque l'unité se désengage, 50% de chance que l'unité effectue une attaque d'opportunité à la place d'en subir une. L'intervention, l'unité peut échanger sa place avec un allié adjacent. Engagé. Non, mais on va prendre le truc gratos, frère. Avec tes conneries. Hein. Tiens, du coup, il y a les compétences de niveau 12 qui sont tombées. Elles y étaient pas avant, je crois. Si, elles y étaient, mais elles sont pas ouf. Je les trouve pas ouf. Ok. Alors, civière, une place est libérée. Déjà, j'enlève le capitaine de ce truc, je le remets sur la table. Pas de bombe. Ouais. Oui, ça, c'est bon. Tu as libéré une place avec Sophia. Du coup, Sophia, c'est peut-être intéressant vu qu'elle est niveau 9 de la mettre sur le mannequin. Ouais. Moi, je vais aller mettre hop un gars là. Et Sylianea, pareil, tu devrais la remettre sur le mannequin. Hein, que tout le monde passe niveau 10, quoi. Vite, quoi.
Et plus vite que ça, ouais. Quoi. À marche forcée. On peut continuer à transformer des produits de viande, tout ça, mais c'est pas très urgent. Hein. On fera ça quand on ira mieux. Ouais. Ok. Et là, il va nous falloir de l'argent. Et l'argent, là, ça va être compliqué. L'argent, on n'a pas. On refait une phase de camp, là ? Si tu veux. Pas. Non, c'est une vraie question. Le problème, et ce qui est dommage, c'est que notre... En fait, ça descend pas. Qu'est-ce qui descend pas ? Notre jauge de soupçon. Oui, c'est possible. Après, on peut faire un mètre ou deux, hein, pour... Ça la fait descendre. Faisons un mètre ou deux, hein. On peut lever le camp, hein. Est-ce que là, tu peux réparer qui, là, clairement ? Réparer qui ? Qui est-ce qu'on a récupéré qui a plus de blessures ? T'as réparé Sophia ? Sophia, ouais, j'ai réparé Sophia. T'as pas réparé Zinlen qui n'a plus de blessures ? Ouais, bah parce que j'en avais que tiens, deux. Tiens, je te remets des outils. Réparons ceux qui sont pas blessés, comme ça on remet d'aplomb déjà tout ce qui est à remettre d'aplomb. Je vois que Sylianea, pareil, tu peux la retaper, hein, elle a plus de blessures, elle, non ? Non, excuse-moi, c'est Mavig. C'est Mavig qu'il faut que je répare. Ouais, c'est ça. J'ai pas réparé à fond Zinlen, parce que pour non. Deux, je sais pas, c'est faut pas déconner. Je vais déplacer Mavig, parce que là, les gens se marchent les uns sur les autres. Hop. T'en as encore de ton côté, toi ? De quoi ? Des outils ? Non, je t'ai tout filé. Ouais. Ouais. Comment on fait pour... scinder la pile en deux ? Je sais plus, mais file-moi la pile, je te refile le bazar. Hein, j'ai pas réparé à fond Zinlen, il a 52 d'armure, donc... Si, répare. Hein. Franchement, ça en répare 50. C'est pas grave, hein, tant pis, hein, répare. Et pour 2 points, je vais pas réparer. Ah, pour 2 points, ouais, vas-y, pour 2 points, on s'en fout. Bon, je te laisse les outils dans le général, là. J'ai réparé ma vigue. On est bon. J'ai les deux tanks qui sont reposés. On a 10 sur 13 points de bravoure. Mettez... Les deux gars autour du feu de camp. Autour du feu de camp, comme ça, on génère du... Le bonheur, c'est pas trop un problème, en vrai. Hein. Parce que, je rappelle, en fait... on a quand même un bard qui tourne. C'est pas pour ça, c'est surtout qu'on va gagner de l'influence gratos, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, on n'est pas, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes. Par contre, 10 à 12 points de bravoure. Ouais, allons-y. Bougeons un peu. Allons voir le monde, chantons le monde. Parce que si bouger, ça nous fait perdre un peu de... Comment ça s'appelle ? De suspicion, ça m'ira très bien. On a perdu un. Mais je pense qu'on en perd un par heure, en vrai. Ouais, mais par heure où on bouge ? Là, c'est non, un peu... par heure in-game. On n'a rien perdu, hein. Est-ce qu'on ferait pas demi-tour, on descendrait pas ? Ah, il y a un petit caillou là à récupérer. Ouais, je suis dessus. Oh ! C'est un truc alchimique en plus. La caverne oubliée. Est-ce que c'est une caverne où on peut se faire oublier ? Attends, il y a un coffre à inspecter là. Il y a un cadavre et tout. Vous avez découvert un secret. Bien joué, mec. Je sais pas ce que t'as pouillé, mais tu l'as pouillé, bien joué. Un manuel de compétences. On va se voir cette caverne oubliée ou... Vas-y. On se fait une sauvegarde avant parce qu'on a pris cher. Au hasard, des idées comme ça. Au hasard. Bah, sauvegarde, vas-y. Allez, et on peut dire au revoir à ton tube. Oh, voilà. On pourrait dire au revoir à ton tube. Ton tube, au revoir.